Frères et sœurs, amis visiteurs et internautes, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Encore une fois, le Seigneur nous a manifesté sa grâce. En ce grand jour du sabbat, nous nous sommes venus pour donner gloire à celui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau. Dieu lui-même nous a recommandé le suivant: sanctifiez mes sabbats. Et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ézéchiel 20, verset 20. En d'autre part, aujourd'hui à Peniel, nous célébrons la journée des femmes, jour où les femmes de l'Église recevront les informations qui les aideront à bien accomplir l'œuvre du Seigneur. Ainsi, chers membres, la direction de l'Église par mon organe vous souhaite bienvenue et bonne adoration. Nous allons chanter avec le prestime dans le numéro 95. Mettons-nous debout, chantons les paroles trouvées au numéro 95. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même meurtrière. J'attends l'heure
Je ne sais quelle est la mesure de l'église, nous avons pris la même position. Hein? Nous avons ouvert la Bible nou, et nous avons lu le psaume 32. Psaume 32, et nous avons lu pour nous. Tout le monde joint. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car la nuit et jour, ta main s'appétissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Comme celle de l'été, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je montrerai la voie que tu vois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, ou les brides avec un frein et un mors, dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Nous allons jeter nous à genoux pour nous capables de prier. Éternel, Dieu trois fois saint, Papa nous qui dans le ciel là. C'est avec un cœur rempli de joie matin, hein, ou ben nous avons l'autre chance encore pour nous venir dans le temple, pour nous adorer en esprit et en vérité. Toute gloire c'est pour vous, Seigneur. Parce que il y a des gens qui pas de chance ça. Et pour vous dormir, pour vous lever, nous même vous faisons nous dormir, nous lever. Nous passons semaine en bien, nous à l'école, gagnant nous qui t'as le travail, et petite nous, mari nous, ou te voit un regard spécial sur yo, que nous soyons bénis, exaltés de l'éternité en éternité. Nous jetons nous bien bas devant face bénis pour nous demander pardon. Tout ça qu'on fait pour nous, ce n'est pas bon, nous plus bon passer l'autre. Yo. Mais c'est tellement ou gain amour pour nous, ou fait nous grâce, Seigneur, qui fait que nous existons toujours. Côté gon maladie a fait rage, Seigneur. Et gen nan nou ki déjà parti déjà cal reposer. Nous même ou fait souffle de vie à exister dans nous-mêmes. Nous pas jamb bouquer Dieu à bouche nous que nous soit béni exalté de l'éternité en éternité. Mais journée ça dans mon Seigneur. Nous mando pour pardonner tout péché nous yo. Tout ça que nous fort qui pas bon. Retirer, effacer, nous faire nous naître de nouveau. Et comme ça,
ou va prendre part dans tout ça qu'a fait au cours toute journée et pour tout temps que nous existons. Nous levons l'école sabbat à travers la terre entière dans mon, spécialement l'école sabbat à Péniel, Jérusalem 2. Nous demandons au Seigneur tout ça qu'a fait, yo, fait que il pas fait et que c'est humain qu'a fait, mais c'est ou même prend place ou en dedans l'église là pour diriger service au Seigneur. Tant prie, bénis nous chaque qui là et bénis tout le monde qui vient pour yo venir, Seigneur. Ou a gardé pa yo, ou a béni nous tout ensemble, ou a sauvé nous, Seigneur, journée de la femme. Non, mon Seigneur, n'a prié à travers la terre entière. Nous besoin plus que jamais. Et nous connaissons ou dit, monde qui cherche yo, n'a besoin nous. Et nous connaissons déjà trouvé. Tant prie, assurez-nous, Seigneur. Ça nous besoin dans mon puissance, Saint-Esprit. Nous besoin puissance d'abord, Seigneur. Nous besoin puissance dans nous-mêmes. Et depuis nous avons prié, nous connaissons besoin de puissance, ça, Seigneur. Tant pour éclater puissance dans nous-mêmes. Et qu'on ça tout ça nous manque, tout ça nous dit, tout ça nous va faire, tout va bénir par puissance nous-mêmes. Tant d'écrivons-nous encore une fois, bénis journée pour nous, bénis nous tous ensemble et sauvez-nous à part de péché, nous c'est au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles, nous prions. Amen. Bon sabbat. Il y a un visiteur parmi nous et nous saluons et nous saluons nos frères et sœurs de l'église de Péniel et nous contemplons le matin hein, pour nous capables dans le temple du Seigneur pour nous capables d'adorer en esprit en vérité et nous voulons saluer d'une façon particulière les internautes et qui sous réseaux sociaux qui écoutent nous matin hein, qui a participé dans le culte d'adoration. Nous saluons nous dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ensuite, nous voulons remercier le corps pastoral de l'Église qui a accepté le choix et pour nous capables de venir matin, présenter une révision de la leçon de l'école du sabbat. Et nous voulons remercier d'une façon particulière les ministères de l'école du sabbat et de la femme qui fait choix de nous pour nous capables présenter la révision de la leçon de l'école du sabbat encore une fois. Et juste avant, nous allons réviser ensemble la leçon 10. Et moi, bien dit, c'est une révision, nous allons le faire, un résumé, parce que nous connaissons, nous avons étudié la leçon au cours de la semaine, et nous aimons participation, et nous allons le faire longtemps très short, de façon très courte, de façon pour nous capables de poser questions, faire commentaires, c'est là nous nous ouais, et message l'a passé, c'est là nous comprendre comment que nous t'ai étudié. Et maintenant leçon 10 et qui vient pour titre Jésus ouvre la voie à travers le voile. Jésus ouvre un chemin à travers voile. Yo. Dans verset que pour nous yo ban nous pour nous capable retenir et pendant la semaine
Et c'est dans Hébreux 9, verset 24, que nous joignons. Hébreux 9, verset 24, dit nous ça que, en effet, ce n'est pas dans un sanctuaire fabriqué par des mains humaines, imitation du véritable, que le Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant Dieu. Amen. Hébreux 9, verset 24. Et tout le monde t'a dû connaître verset ça par cœur, parce que vous t'avez mémorisé. Et nous, si nous demandons de réciter, il y a des gens qui ont récité. Et tout comme il y a des gens qui sont capables d'expliquer tout. OK. Et maintenant, nous disons leçon 1 et pour ce maintenant. Et qui contexte leçon 1? Leçon située dans le contexte. Et la mort, la crucifixion de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus et l'ascension de Jésus qui était monté dans le ciel. Et c'est à partir de là pour nous capables d'expliquer leçon 1. Et ça fait 2000 ans depuis que Jésus mourit à nos jours et nous, Jésus-Christ est ressuscité. Et le Jésus-Christ est ressuscité à maintenant. D'y monter dans le sanctuaire céleste et dans la maison de Dieu. Et Jésus-Christ, nous connaît face à ce sanctuaire-là, tu as un grand prêtre, tu as un grand prêtre dans le lieu très saint, tu as un prêtre dans le lieu saint. Hein. Et maintenant, c'était une l'ombre des choses à venir, c'était une image de Jésus-Christ qui était pour venir. Et je te comme fait, et service là, dans ce sanctuaire-là. Maintenant, Jésus-Christ, notre grand prêtre, divini, ressuscité. Et le Jésus-Christ ressuscité, nous voulons apprendre nous comme ça que temple, c'était vers après-midi, vendredi après-midi, temple, voilà le temple était déchiré. Et vous avez sacrifié un petit agneau, et puis petit agneau a volé. Maintenant, Jésus-Christ c'est sacrifice là même. Jésus-Christ c'est mouton. Hein? Et c'est Jésus-Christ c'est sacrifice là même, qui offre tête lui pour pardon, péché nous. Et les voiles temples déchirés, si mouton en couru, ça veut dire que ça symbolisait le corps de Jésus-Christ qui était brisé, meurtri sur la croix. Et carrément, nous venons gagner une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors, quand nous disons l'ascension de Jésus-Christ, c'est une grosse étape liée dans le son. Et maintenant, nous ne pouvons pas partir avec le son, ça nous pas. Et inscrit le son dans le contexte. Et c'est ainsi maintenant nous dit, puisque Jésus est monté dans le ciel, Jésus devant le Père. Nous connaissons Jésus devant le Père, Jésus, ça l'a fait pour nous. Là, il a plaidé pour nous, là, il a avocat nous, là, il a intercédé pour nous, et il a invité nous pour nous capables d'approcher nous vers lui-même. Pour raison ça, et nous connaissons une analyse typologique, une analyse typologique, c'est-à-dire un point. Des exemples dans l'ancien système Israël là, et puis nous allons l'appliquer sur ça Jésus-Christ fait pour nous. Maintenant, nous disons ça que, dans l'ancien système Israël là, bon Dieu t'a ordonné à Moïse, vous connaissez bon Dieu, c'est un Dieu de proximité, il remet en nous, et bon Dieu toujours voulait pour nous approcher nous vers lui-même, et son Dieu d'amour, son Dieu de miséricorde. Et voilà pourquoi il te dit Moïse, pour te choisir, pour te dire parmi les peuples d'Israël, pour te choisir des hommes, des garçons, pour être capable d'aller à Jérusalem, parce que trois fois par année, parce que à Jérusalem, tu as des grandes fêtes côté peuple d'Israël là. Mais Moïse a choisi trois parmi eux, qui fête ça yo, pour être présenté et trois fois par an. Puis elle paraît devant le Seigneur, puis elle présente une offrande. Maintenant, il dit nous faites ça, yo. Mais lorsqu'elle présente une offrande à bon Dieu, il faut préparer, il faut consacrer pour présenter une offrande. Ça, yo. Et faites ça, il dit nous trois faites ça, yo. C'était faites Pentecôte, faites Pâques, qui symbolisait faites des pains sans levain, et faites Pentecôte là, qui signifie que, et, comme si prémisse, premier fruit jardin peuple là, il t'a pas présenté le bon Dieu, c'est ça.
et Pentecôte là et récolte yo récolte orge fruit yo yo t'a présenté yo et à Jérusalem et gon fête tout yo t'a parlé de fête des huttes côté mon yo t'a construit des tentes fête des huttes là c'est une reconnaissance que mon yo te voulait envers bon Dieu qui bon Dieu qui face à soin bon Dieu te porté pour yo dans désert là côté que sous yo pas de jambes chirées et il y a marché avec un seul rad, bon Dieu va au de l'eau, yo ba yo, bon Dieu va yo et manger la manne, etc. Yo te fait fête ça, yo te capable et reconnaissant vers bon Dieu tout ça bon Dieu fait pour yo. Maintenant, yo dit nous ça que et toute fête ça yo, yo dit nous les Jésus qui mouri, j'en nous te dit point de départ, c'est l'ascension de Jésus, la Jésus qui monte dans le ciel. Yo dit nous même jour Jésus qui monte à Jésus-Christ et accomplir et avec précision toute fête ça yo. Premièrement, Jésus-Christ, le Jésus qui a mouru. Maintenant, yo dit nous fête Pâques là qui symbolisait l'agneau de Jésus meurtri sur la croix et puis nous est même joie nous est que et Timouton et voile temple déchiré, Timouton a allé, c'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui vient sacrifier ça qu'on a d'y accomplir. Et maintenant, faites Pentecôte, faites Pentecôte là, côté a célébré récolte et a présenté premier fruit. Et maintenant, je dis nous faites Pentecôte là et avec Jésus, Jésus qui représentait sacrifice, sacrifice lui offrit sacrifice là, c'est un coup c'est prémisse de tout. Lui c'est premier fruit et qui représentait qu'a représenté nous dans le ciel. Il représente toute prémission, toute récolte que nous sortons qu'on a porté. Maintenant, nous dit et vraiment faites ça yo, pour yo vraiment et yo vraiment pas avec Jésus-Christ, l'ascension de Jésus. Faites ça yo, nous capable dit yo pas Jésus qui accomplit tout. Jésus qui accomplit tout. Vous ne jour dire nous pas besoin à prendre côte porter fruits dans le jardin nous. Dans l'église là pour mon acheter pour mon faire quoi bon ça va bah, Jésus-Christ avec Jésus-Christ tout ça a été accompli oh. Et maintenant nous dit comme ça que Jean nous te dit bon Dieu mes peuples en pile et but bon Dieu c'est pour bon Dieu tu es capable et rencontrer nous rencontrer peuple là et c'est ça nous dit dans texte là et le son bon Dieu t'es invité peuple là pour être capable rencontrer maintenant pour qui raison. C'est parce que bon Dieu te voulait établir une relation intime, personnelle avec le peuple là. Bon Dieu, connaissons Dieu d'amour, Dieu miséricorde, lui voulait pour le peuple après lui, pour le peuple après lui. Parce que bon Dieu que nous avons servi, son Dieu immanent, son Dieu de proximité, bien que bon Dieu loin au ciel là-bas à contenir, mais c'est un bon Dieu tout qui aime les hommes, lui voulait habiter parmi les hommes. Maintenant, pour ce faire, et pour être capable d'habiter parmi le peuple Israël là, il était dit au ça que puis il construire un sanctuaire et que la pas habiter au milieu de eux-mêmes. Et maintenant faisons ça texte hébreu et 10 verset 22 dit non ça que pour nous approcher nous du trône de la grâce avec un cœur purifié et lavé de toute souillure, c'est-à-dire c'est bon Dieu invite nous-mêmes, c'est une invitation pour nous capables d'approcher nous vers lui-même. Et de ce fait, et bon Dieu t'a mandé Moïse pour lui, pour peuple à te rencontrer personnellement et dans la montagne là. Et puis maintenant, il dit nous ça que et peuple là et avant pour présenter vers bon Dieu t'a dit Moïse. Tes conseils, tes dix mots, pour faire peuple la sanctifier, le peuple la consacrer. Ou pas qu'on va être présenté devant bon Dieu, n'importe qui, gens, sans pas consacrer, sans ou pas sanctifier. Et face à miracle, bon Dieu, t'es fait pour le peuple là, t'es délivré de l'Égypte, il dit, livré pour le peuple là, c'est peuple pâle, pour le rencontrer. Voilà pourquoi il te dit peuple la consacrer, et il te dit Moïse pour le peuple la préparer, pour être capable de rencontrer. Si bien que, yo dit nous ça que, et si moun ki pat prepare yo, Moïse fait deux jours de préparation avec peuple là, côté a préparé yo, il a prié,
y a cherché la face de Dieu. Et yo dit nous monde qui pas préparé yo moun sa yo yo mouri yo mouri mon Dieu pas ton Dieu qui mon Dieu qui t'a joué qui t'a appelé avec moun jusqu'à présent mais nous pas dit nous pas mouri mais si nous fait péché n'a payé conséquence péché nous donc nous voit que vraiment nous dit que et peuple là t'est approché lui sous la montagne et de Sinaï en premier lieu et puis peuple là dès l'avancer sous montagne non et il était ouais il pas gen limite gen limite il pas bon, malgré ça consacré yo yo avancer sur montagne là ensemble avec tout et prêtre ensemble avec tout et ensemble avec Moïse et avancer plus haut mais pour peuple là c'est une distance dans montagne là et peuple là vraiment puisque yo te consacré yo yo te voit la gloire de Dieu et bon Dieu qui paraît sur montagne là à travers feu à travers et nous te ouais obscurité tout montagne là t'es tremblé t'es gain éclair dans montagne là c'est-à-dire peuple là ouais pas ouais bon Dieu et de face à face pour vivre vous comprendre Esaïe était la gloire de Dieu il te dit il était là moi il était tombé il dit mes yeux ont vu le roi c'est-à-dire là où nous rencontrer bon Dieu faut on pas arrêter. Moïse était monté sous montagne là, puis haut, il était la gloire de Dieu, elle retournait et gloire bon Dieu était rayonné dans visage lui. Donc nous dit comme ça que et peuple là, c'est ouais manifestation de Dieu en premier lieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dit ouais éclair, dit ouais tremblement, il y a terre là tremblé et peuple là, c'est vine peur. Il était vine peur malgré fin ouais manifestation de Dieu et par la consécration et puis qu'on est là mais un problème nivel manque de foi peuple a une peur et maintenant nous dit que et ça c'est leçon pour nous ouais pour nous rencontrer bon Dieu quel que soit et bah, réunion spirituelle que n'a fait pour bon Dieu il doit gagner une préparation voilà pourquoi dans l'église là avant de faire culte là toujours un prélude et que pour diaconat et nous chanter avant nous prier c'est-à-dire c'est une préparation occulte et pour nous recevoir bon Dieu et quel que soit ça n'a fait c'est pour nous consacrer nous même quand tu étais dans ancien Israël là c'est système non mais aujourd'hui ça pas écarté avec la venue de Jésus avec l'ascension de Jésus de n'apparaître devant bon Dieu pour nous nettoyer nous pour nous purifier nous et pour conscience nous laver tant que Hébreux 10 verset 22 dit pour conscience nous laver faut nous purifier nous de toute souillure mais mon Dieu d'amour il monte dans ciel là et puis nous capable approcher nous vers lui-même par la repentance et nous repentir de péché nous et puis nous consacrer nous il va faire faut consacrer pour paraître devant bon Dieu il y a des demandes à faire à bon Dieu demander une consécration pour faut cœur purifié pour paraître devant mon Dieu. Donc question nous sont de peur là. Dit pas bon pour un chrétien. Ça bon Dieu dit pour ça bon Dieu dit ou c'est pour obéir. Peuple Israël a tes peur, les rivé presque rivé dans Canaan. Dit peur, il dit m'va rencontrer des gros géants, des gros anak. Et peuple Israël là lui-même est arrivé dans montagne Sinaï, il y a ouais éclair, il y a manifestation mon Dieu et divine peur. Il dit il choisit un intermédiaire. Il c'est Moïse, il dit c'est Moïse qui va le représenter devant mon Dieu. Alors plan bon Dieu c'est pour nous rencontrer face à face. Maintenant avec Jésus-Christ qui monte dans le ciel, dans le sanctuaire céleste, nous-mêmes qui compte bon Dieu, qui compte Jésus, quel que soit péché nous fait, c'est pour nous sanctifier nous, c'est pour nous demander mon Dieu pardon pour péché nous, c'est pour nous repentir nous et c'est pour nous au nom du sang de Jésus-Christ qui t'est coulé à flot. Nous capables de présenter nous devant mon Dieu et devant Jésus et voile nous il a beaucoup de papa nous venir nous demander le pardon pour péché nous il est déjà prêt pour lui tendez nous pour lui intercéder pour nous mêmes donc c'est ça entre type avec un type là et une deuxième fois et bon Dieu t'es peuple là t'es au bas de la montagne du Sinaï et que maintenant et
peuple a été fini avec gloire, mon Dieu. Et c'est Moïse qui était une chance. Et bien que tu gagné une limite, je dis nous, une limite côté peuple pour le rester, pour le rester. Et puis, tu gagné les prêtres qui étaient mettant un périmètre, une limite que le peuple n'est pas capable de franchir. Il ne peut pas monter trop haut dans la montagne là. Mais c'est Moïse qui est monté, très très haut. Et pendant Moïse prend un petit temps pour la et communiquer avec mon Dieu et dans la montagne du Sinaï, il fait ainsi que du nous, peuple là, et fait un veau d'or avec leader à Aaron. Maintenant, il dit nous, bon Dieu, t'es fâché en pile, parce que peuple là fait veau d'or ça pour veau d'or ça, il n'y a pas doré veau d'or là. Et Moïse lui-même, en tant que leader, en tant qu'intercesseur, Moïse lui-même, et bon Dieu, pas de vouloir rencontrer avec le peuple là parce qu'il était péché, il fait idolâtrie, il fait veau d'or là. Moïse lui-même allait dans l'autre lieu, ça l'a fait, l'intercéder, il a prié, bon Dieu, pour le peuple là, hein? Bon Dieu, vini, on est bon Dieu, son Dieu de compassion, Dieu d'amour, il vient pardonner le peuple là, il vient pardonner le peuple là, et malgré péché lui, malgré péché saleté qu'il te commet là. Donc nous disons ça que même dans le sanctuaire là, il y a une limite pour toute bagaille. Et par exemple, dans la montagne là, nous dit qu'il y a une limite que le peuple n'a pas de franchir, il y a une limite pour être pas capable de franchir. Mais dans le sanctuaire là, tout, il y a une série de voiles dans le sanctuaire là. Et dans le sanctuaire là, il y a un trois compartiments, mais il y a des gens qui disent deux compartiments, c'est pas un problème compartiment qui est problème, non? Je dis non, sanctuaire là, tu gagnes le parvis, la cour extérieure, d'un coup, et portail là. Je dis non, voilà signifie rideau de séparation, voilà, il y a d'autres connotations. Je dis voilà, parfois c'est protection, mais c'est protection. Je dis non, et vous comprenez, voilà, il y a une séparation liée. Et maintenant, nous dit que et on a parlé de voile là, dans le sanctuaire là. Et dans le sanctuaire là, c'était un lieu saint. Bon Dieu te dit Moïse et te dit Aaron, il pas capable, même Aaron pas capable de présenter dans le lieu en tant que prêtre dans le lieu très saint du sanctuaire. Parce que dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance. Okay. Bien que nous dit dans le lieu très saint, hein? Nous dit que y a des interdits entre les voiles. Parce que voile signifie rideau. Dans la parvia, il y a un rideau de séparation. C'est-à-dire, quand tu as dit porte la cour, porte l'église, pour entrer dans l'église, il faut ouvrir le portail. Et maintenant, il y a un lieu, le lieu saint, côté c'est sacrificateur. C'est les prêtres seulement qui siègent dans le lieu saint. Hein? Dans la parvia, pas n'importe qui est capable de rentrer. Maintenant, dans la parvia, on dit ça que pour rentrer dans la parvia, avant de rentrer, il faut vérifier ce qu'on vient faire. Il faut vérifier tes animaux. Il faut vérifier tes animaux qu'on vient porter parce que dans ce sanctuaire-là, il faut que c'était un petit animal sans défaut. Il nous dit forcément que c'est avoir un petit animal sans défaut. Merci. Merci. Nous dit, dans la parvia, c'est pas n'importe monde qui rentre et j'en voulais. Dans la parvia, il y a un monde qui dehors, faut qu'on soit venu faire. Si tu parles d'un péché, tu viens chercher avec ces bêtes là pour étrangler.
sacrificateur dans lieu saint aller asperger sous corps l'autel là. Maintenant, yo dit nous ça que c'est ainsi que et bet la sans défaut. Même n'a pas via déjà disacré dans le système sacrificiel. Et, on traverse l'autre rideau encore, pour venir dans le lieu saint. Ce n'est pas n'importe qui qui rentre dans le lieu saint. Dans le lieu saint, service est fait chaque jour. Chaque jour. Parce que ce sont les prêtres qui font service dans le sanctuaire là, chaque jour. Et, quand il n'y a pas égorgé dans le sanctuaire là, non, quand il n'y a pas égorgé ailleurs, dans pas via, mais, prêtre là pour le sang pour l'asperger pour péché à capable pardonner et dans lieu très saint dans lieu saint où est cuve des reins et un hôtel de sacrifice là et dans lieu très saint excusez nous joignons l'arche de l'alliance plein des propositions l'hôtel des parfums nous joignons aussi tout ça dans le lieu très saint. Oui, nous disons ça que et là, il y a le chandelier, dans le lieu très saint tout, il y a l'arche de l'alliance, et là, dans les dix commandements. Y maintenant, nous disons ça que, et voile ça, yo. Vraiment, c'est nécessaire, au lieu de dire, ah, on peut aller, puis rentrer dans le lieu saint, puis rentrer dans le lieu saint, parce que et, c'est la présence de mon Dieu. Et là, mon Dieu, présent dans lui, parce que qu'on est, si on pas sanctifié, on va consacrer, on va rentrer, on va tomber. Et maintenant, nous disons ça que, voilà, c'était une protection pour prêtre. Et dans le lieu très saint, nous connaissons ces seuls grands prêtres, là, grands souverains qui entrent une fois par an. Maintenant, avec l'ascension de Jésus, maintenant, nous disons ça que, nous avons une libre entrée, Jésus qui est dans le sanctuaire céleste. Libre entrée, ça, manifester, depuis nous confesser péchés, nous sommes capables de présenter le sang de Jésus qui est versé pour nous, la chair de Jésus qui s'est sacrifiée, nous avons une libre entrée au sanctuaire et vers Jésus, nous limitons et sécurité. Hein? C'est-à-dire, Jésus, c'est lui-même qui voile nous. C'est lui-même qui protection nous. Nous sommes capables d'entrer dans et Jésus. Jésus sépare nous entre lui-même avec mon Dieu. C'est là. Et maintenant, avec Jésus qui monte dans le ciel, nous avons libre accès. Même quand nous péchons, depuis nous repentis, nous péchons à te mettre rouge ou cramoisi, nous dit, quand Jésus a lui-même. Jésus servit nous de protection. Nous passons par Jésus. Nous venons dans Jésus. Jésus protège nous. Nous sommes capables de présenter. Nous avons libre entrée dans le sanctuaire. Maintenant, c'est ça nous dit que nous avons parlé de questions. Mais nous dit tout. Nous sommes que nous capables de tirer dans ça tout. Et dans les affaires de Dieu, toujours il y a une limite. Et nous, ouais, avec précaution, n'importe qui est capable de rentrer. Dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint. Et même grand, même prêtre Aaron, bon Dieu, bah, opinga, même prêtre, va rentrer dans le lieu très saint. Ça veut dire que nous-mêmes, l'église, à nous-mêmes, je vous dis, hein, l'église, c'est un lieu sacré lié. Et même quand Jésus-Christ, avec la venue de Jésus-Christ, maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que nous capables, nous pas une limite dans toute bagaille. Il y a des bagailles qui sont réservées. Et ou pas qu'à monter sous cher bon Dieu pour faire sauver, ou pas qu'à rentrer dans l'église là, pour venir et venir parler en pile, venir faire si on a couru, venir manger dans l'église là, pas rien qui vont faire ça. L'église là, c'est pas un lieu de rencontre pour nous capables de fraterniser yon l'autre. C'est un lieu pour nous capables de fraterniser yon l'autre l'église là. Mais nous pas qu'à faire bayon n'importe qui gens, même dans la cour de l'église. Même dans le parvis, il y a un monde qui t'a checké. Ce n'est pas n'importe qui bête. C'est un bête qui sans défaut, un agneau sans défaut. N'importe bête la vol sans défaut. Et ensuite, nous, il y a un monde qui a checké
pour qu'ils soient venus. C'est-à-dire que nous devons respecter tout contour de l'Église. Et même quand tout le monde... Même dans la cour, ce n'est pas n'importe jouet, n'importe bagaille que le monde est capable de faire, n'importe blague que vous monde fait. Parce que l'Église, c'est le sens, c'est la maison de Dieu. Dieu est présent dans son Église. Nous devons gagner une sorte de révérence envers mon Dieu. Jésus-Christ mourit vraiment. Attention, Jésus-Christ, ça veut dire pour autant que nous sommes capables d'approcher nous vers lui-même. Et mais nous sommes capables de faire n'importe qui, Jean Nouvelé, dans l'Église de Dieu. Et ça, c'est Aginaté, même dit ça dans son état de leçon. Hein. Maintenant, nous devons respecter le sanctuaire de Dieu et nous dit à faire limite. Là. Et tout le monde est capable de faire toute bagaille. C'est un grand prêtre, Jésus-Christ mourit, c'est vrai, dit, avec l'ascension de Jésus, hein, ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes capables de faire ça nous voulons. Dans l'Église, là, il y a un dirigeant, il y a un monde qui est responsable de tel département, telle autre chose. Donc, c'est pour nous être dans la limite, nous, dans l'Église, là, pour être capable de faire dans l'ordre. Donc, il nous dit, voilà, c'est nécessaire, parce que voilà, son protection liée. Et Josué t'a pas accusé Satan, toujours prêt pour l'accuser, nous. Il a accusé grand prêtre Josué, qui t'a porté péché pâle, avec péché peuple, là, le grand prêtre. Et puis, maintenant, Satan vient pour l'accuser. Josué vous dit que c'est pécholier. Et depuis dans le ciel, et Satan te compte faire va-et-vient dans le ciel. Il dit, nous te compte va-et-vient dans le ciel. Et maintenant, il dit, nous, ça que, les Jésus qui mourit avec l'ascension de Jésus, il était toujours là pour l'accuser, petit bon Dieu, pour pécher trop, la bonne remords, la bonne culpabilité dans le cœur. Et il est pour l'accuser, il accusait Job, il dit Job, est-ce que il n'aille pas y avec mon Dieu dans le ciel? Il dit qu'on fait va-et-vient. Il dit, est-ce que c'est par intérêt que Job a servi? Est-ce que c'est par intérêt que Job a servi? Et maintenant, nous disons ça que et bon Dieu te dit, allez, prends tout bien, lui seulement pas toucher. Et Job pas de jambe et dit mal de Dieu. But Job t'est toujours et dit, mon rédempteur est vivant, malgré la souffrance. Il dit pas de jambe, renier mon Dieu. Ça montre nous que. Et pour nous faire attention, Satan, c'est accusateur de nos âmes. Heureusement, Jésus monte dans le ciel et l'a plaidé pour nous. De nous pécher, nous avons besoin d'une culpabilité, nous avons besoin d'une honte pour ne pas approcher nous vers Jésus parce que c'est mon Dieu même qui dit nous approcher nous vers lui-même pour nous capables de joindre secours et face à la faiblesse nous. Et, mais pour nous approcher nous avec un cœur purifié, avec un cœur sanctifié, lavé de toute souillure. Et c'est ainsi que nous voyons que l'ascension de Jésus a été ouvert un nouveau chemin, une nouvelle route à travers le voile. Vraiment, maintenant, même et ancien système sanctuaire, là, nous voyons que c'est pour un petit mouton, et c'est seulement péché capable d'expier. Expier, c'est un mouton, et puis à verser sang toute la sainte journée pour nous dépenser l'argent. Mais qu'on a à travers la voile. À travers le voile, Jésus a créé une nouvelle route, un nouveau chemin. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui vient et notre grand prêtre. Et maintenant, il dit non, puisque sanctuaire et ancien système israélite, il y a un genre périmé. Mais maintenant, c'est normalement, avec l'ascension de Jésus, il y a un nouveau système et qui est inauguré. C'est Jésus-Christ qui montait dans le ciel, dans le sanctuaire céleste. Jésus-Christ actuellement dans le sanctuaire céleste. Et il a intercédé pour nous. C'est un nouveau chemin. Nouveau chemin, chemin ça. Nous disons c'est une fierté pour nous. C'est bon pour nous parce que nous connaissons que Jésus-Christ dans le ciel là. Et il a intercédé pour nous. Et dans le sanctuaire céleste. Et on est nous capables d'établir une relation avec elle. Avec elle, nous, pas peur, accusation Satan. Et c'est ça. Et à travers le voile, nous dit, mais nouveau chemin. Hein. Mais nouveau chemin, hein, et il montre nous que, même Jean, l'arche de l'Alliance est dans le lieu très saint hein, du sanctuaire là. Et c'est ainsi que nouveau chemin hein, maintenant, bon Dieu vient écrire loi qui va dans le cœur nous. Dans le cœur nous. Loi va disparaître des 10 commandements. Il dit, bon Dieu écrit la loi dans nos cœurs. Il dit, nous, c'est lui qui bon Dieu nous. Et nous-mêmes, nous, c'est peuple. Nous, c'est peuple. Et bon, maintenant, nous sommes capables de trouver
pardon pour péché nous et pardon pour péché nous parce que mon Dieu était dans les sentiers célestes. Et maintenant, nous dit avec la chanson de Jésus, apôtre Paul dit et que et bon Dieu, il fait allusion, il dit bon Dieu, préparez et nous la Jérusalem et nous parler la montagne de Sion, nous parler dans la montagne de Sion. C'est ainsi dit dans Hébreux 11 et dans Hébreux 12, il dit nous ça que bon Dieu c'est un coup que maintenant nous-mêmes Jésus-Christ qui monte dans le ciel, Jésus-Christ c'est précurseur nous, il c'est pionnier nous, Jésus-Christ représente nous, il est ambassadeur nous, la fight pour nous, il est avocat nous. Maintenant avec ça, nous gain assurance. Apôtre dit nous ça que nous gain assurance que nous déjà monté sur nous gain assurance, nous déjà goûté, nous gain avant goût vers le ciel, nous déjà goûté et le ciel, nous déjà goûté le ciel parce que Jésus-Christ s'est garanti nous, il s'est précurseur nous. Il est allé avant nous, c'est-à-dire il fait grand prêtre nous qui est dans le ciel, il a plaidé pour nous. Maintenant, il gourmet pour nous, à cause de chair li avec Sani. Maintenant, nous avons espoir, moi-même avec nous, que Jérusalem, non, Jérusalem, cité de Dieu, nous déjà, tout le monde a vivre dans la foi, ou par la foi, nous déjà gagné Jérusalem, non, oui? Nous sommes capables de dire Amen. À cause de Jésus qui montait dans le ciel, c'est-à-dire Jérusalem, cité de Dieu. Franchement, je suis content. Moi-même, je garantis pour moi. Comme si moi, et Jésus même. Jésus, intermédiaire, moi, dit c'est voile moi. Je connais. Et c'est pas caché. Je connais depuis que je consacre, depuis que je sanctifie, mal bon côté Jésus, je peux aller dans le ciel. Parce que ça, mon Dieu fait pour moi. Comme si c'est celle-là même, nous, ouais. Donc, et c'est comme ça, nous terminons la leçon. Hein. Nous devons bien la foi pour nous capables de vivre le ciel sur la terre. Que bon Dieu bénisse nous. De nous arriver pour exposer à fini, nous capables de prendre peut-être des questions. Ça dépend de l'heure que oui, nous là, nous d'apprendre des questions, s'il te plaît. Nous dit l'Église bonjour et bon sabbat. Et ce jour, nous allons connaître comment nous sommes capables de dire bon Dieu merci. La façon que vous avez utilisé pour être capable de présenter une si belle leçon pareille. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Ça, point que nous sommes capables de tirer dans les leçons. Nous, les leçons, il y a un pile belle bagaille. Pile belle bagaille, moi-même, ensemble avec chaque monde qui est là, nous supposons apprendre. Nous supposons apprendre. Et façon que vous utilisez, bon Dieu, utilise tout côté où vous sortez depuis dans historique et où vous venez dans même pratique. Ça veut dire pour nous capables de comprendre. Et bien, comment nous, bon Dieu lui-même, il était passé l'ordre, comme si, comment, pour sanctuary, pour le monde était capable de respecter sanctuary, comment pour sanctuary était capable de fonctionner. C'est bon Dieu. Moi-même, pour moi-même, moi, sanctuaire, ça c'est moi-même, je connais, c'est point pam. Avec le sabbat, comme si moi, deux bagages, ça, yo marié ensemble. C'est un coup, yo identico. Ça veut dire le sanctuaire, le sabbat. C'est même genre. Nous connaissons le sanctuaire, comment bon Dieu était passé l'ordre. Nous connaissons venir l'église dans là, bon, nous sommes capables de dire ça. Nous connaissons d'essayer de monde, yo prend prétexte comme si depuis deux ans, nous un message pour une leçon, belle leçon qu'on s'est présenté là. Bon, nous sommes capables de dire, nous avons remarqué qu'il y a un monde là qui prend plaisir. Comme si cap fait vacances de yon. Comme si qui pas prend rien pour rien. Ça veut dire nous là, ou sortir en pratique. Ou sorti dans historique là ou vini dans pratique là et c'est ça moi même journée jodiant comment pour nous capable comporter nous l'en vini dans présence bon Dieu, comment pour nous capable conformer nous dans famille nous, comment pour nous capable rester en connexion avec bon Dieu. Et bien moi remarque qu'il y a un autre point là encore nous, bon Dieu lui-même lui dit c'est lui-même qui Jésus-Christ nous est côté, c'est lui-même qui intercède nous, c'est lui-même qui a intercédé pour nous-mêmes, c'est lui-même qui représente yo avocat pour moi-même ensemble avec nous aujourd'hui. Et bien comment nous capable guider ces deux monde là où gagnon yon petit problème. Bon nous dit un petit problème parce que n'a parlé pour tout le monde capable comprendre. Là où gagnon problème, nous au lieu monde ça lui-même, il vient présenter devant bon Dieu, il vient humilier, il vient mettre devant bon Dieu pour bon Dieu capable
fait un bagage pour lui. Elle connaît, c'est bon Dieu, c'est un avocat pour lui-même. Au lieu de faire ça, il y a devant un monde qui pas qu'à faire rien pour lui-même. Un monde qui peut mettre plus de conflits. Pas de deux frères ça, il est noué dans deux trois jours nous t'as dit frères écrasés. Qui sont pensés de ça? Bon, nous pas gain vraiment plus le temps pour nous mais lui qui a pas une idée. L'assemblée est saluée. Moi-même, en raison du sanctuaire et le parvis et le sanctuaire céleste en haut, tout d'abord, il faut commencer par le sanctuaire terrestre, parce que nous sommes ici-bas. Le sanctuaire terrestre, pour chercher la dimension du sanctuaire terrestre, tout à fait la surface du sanctuaire terrestre, c'est le gré possible pour entrer dans la première pièce. Cela veut dire que la dimension du sanctuaire terrestre, 2 coudées et demie de longueur, 2 coudées et demie de hauteur, 1 coudée et demie de largeur. Cela donne le caractère de trapèze. Lorsqu'on trouve la surface de ce trapèze-là, on voit que la dimension du sanctuaire terrestre a 2 pièces. Grande base plus petite base multipliée par hauteur divisée par 2. Si on n'a pas oublié comment chercher la surface de trapèze. Puisque divisé par de là, cela donne 2 pièces pour le sanctuaire terrestre. Et l'Esprit descend entre nous, les hommes, et le sanctuaire. Parce que le Saint Jésus n'a pas entré dans la première pièce, ni la deuxième pièce. Là, lorsqu'on passe devant l'Esprit, on a le pouvoir d'entrer dans la première pièce. Ça veut dire tout à fait, on est sauvé, on est arrivé à la repentance. C'est là, dans le livre de Hébreux 10, au verset 19, là dit, et si donc, frère, nous avons un moyen, nous avons la liberté du sang de Jésus qui nous permet d'arriver dans la première pièce du sanctuaire. Le sanctuaire céleste d'en haut, c'est par le moyen du sanctuaire terrestre ici-bas. Et c'est pour cette raison, cette phrase a même signification au baptême. Lorsqu'on est arrivé, plongé, qui veut dire immergé, dans les eaux du baptême, ce n'est pas fini. C'est de même que lorsque l'Esprit descend au milieu de l'homme et le sanctuaire. Cela veut dire qu'il faut travailler beaucoup, beaucoup et beaucoup avec fermeté pour pouvoir entrer dans le sanctuaire céleste. C'est le travail du sanctuaire terrestre. C'est tout à fait parabole, le sanctuaire terrestre. C'est tout à fait en parabole. Est-ce que Noël? Qui peut être dans le sanctuaire terrestre? On parle du sanctuaire terrestre. Avec le travail, avec fermeté de foi, on a le moyen d'entrer dans le sanctuaire céleste. C'est ainsi parlé. De même que dans les eaux du baptême, on se trouve le moyen d'immerger dans l'eau qui signifie mourir pour péché. Lever dans l'eau signifie ressusciter pour la vie. Ce n'est pas fini. On a besoin encore de 2 autres baptêmes. Le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul dit, moi je vous baptise d'eau, celui qui vient après moi, je suis capable de porter ses chaussures. Vous avez dit, lorsqu'on part dans Matthieu 3, au verset 11, c'est là que cette parole vous donne. Amen. On a besoin d'arriver à la repentance. Amen. Amen. Et nous dit ça, frère, tout saint dit, hein, c'est pas. Et il y a une question qu'on peut approcher vers le sanctuaire là, parce que. Donc, approche au vers sanctuaire là, avec l'ascension de Jésus, il faut gagner amour fraternel entre les frères et sœurs. Ou approche devant bon Dieu pour remettre frère et puis il ne faut pas abandonner l'assemblée ou tout ça. Donc, ça permet que nous capables de vivre avec Jésus-Christ, avec l'ascension de Jésus, nous capables, si tu gagnes un erreur, une faute de la part des. Et des couples, nous sommes capables de demander pardon et nous sommes capables de réconcilier nous, tout comme Jésus réconcilie nous avec Papa par son ascension. Merci. 3 questions en ligne qui ont été posées déjà depuis le commencement de l'histoire. On ne tient pas oublier qu'ils sont là. On a fait des frères, tous saints ont posé une question déjà. Je connais si cela a déjà répondu. Ensuite, on essaie de répondre à l'ordre. Et discipline après la pause pour nous aller plus
pour toutes questions qu'à répondre. Parce que nous posons la question, l'autre question, vous même répondre, nous allons aller dans l'autre question. Entendez. Oui, oui. Et il y a une question, nous, sur l'écran là, qui dit, quand Jésus a-t-il frayé le chemin dans le voie, voie VOIE. En voile, vous n'avez pas écrit. Dans le voile. Bon, nous dit, et nous t'ai dit dans l'exposé que bon, Jésus t'a frayé le chemin dans le voile. Et puis, l'aile mourant à la 9e heure, c'est 3e heure, vendredi dans l'après-midi. Et il t'a pas sacrifié Jésus. Il t'a pointé à Noa et puis à Noa t'a volé. Et Jésus-Christ, voile là, t'a déchiré. Et Jésus-Christ t'a monté dans le ciel, il t'a accompli. Et bagaille ça, et il t'a frayé chemin vraiment à travers le voile, parce que Jésus, actuellement, il est dans le sanctuaire céleste. Pas qu'on est si mon d'accord ou pas, mais c'est comme ça nous capables de répondre. Question 2. Comment faire la différence entre le fait de foi dans l'ascension de Jésus? Et dans l'ascension de Jésus, nous dit que nous avons parti dans le son, nous avons parlé que et le déjà, tant que théologien, qu'on dit dans le pas encore. C'est-à-dire comme si nous vivons dans le ciel déjà. Nous vivons dans le ciel déjà par l'ascension de Jésus. Parce que l'apôtre l'a dit, Jean 14, il prépare une place pour nous. L'apôtre Paul dit, et parler de cité céleste, de Sion, de la montagne de Jérusalem, que nous avons assurance que nous allons aller. Oui, avec Jésus, nous dit, c'est l'ascension de Jésus. Demandez, ce n'est pas n'importe qui est capable de croire dans les choses, mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi pour qu'elle la donne. Ce n'est pas une foi. Présomption, non, pour Dieu se dire, ah, moi, je crois dans Jésus. Mais son foi qui est basée sur la parole de Dieu, sur la relation personnelle intime avec mon Dieu. Comment comprendre la parole là? Comment vivre la parole là? Est-ce que prier? Est-ce que étudier la parole, mon Dieu? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est l'aime la foi. L'aime étudier la parole là, vous voyez, la parole là, tant que son mathématique. Vous voyez, oh, vrai, oui. L'aime regarder, tel auteur te dit, tel autre. Tel l'autre dit, bah, il a son autre forme. Ou même, bah, il a dit oui. Et la Bible n'a pas de contradiction. Voilà pourquoi, depuis Moïse, qui fait alpha de la Bible, jusqu'à et nos jours, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est au centre de la Bible. Mais pour comprendre ça, et ce n'est pas une foi. Ce n'est pas une foi et présomption, non? Pour dire, je crois dans Jésus, d'accord, m'a sauvé, mais sauvé, hein? Maintenant, c'est une foi. Chita sous la parole de Dieu, sous ouais, dans l'ascension Jésus, ça le fait pour nous. Et maintenant, quoi ça, bon, ma assurance que m'a sauvé, que me sauvé, que me déjà sauvé. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût, amen. L'ascension de Jésus, est-ce que c'est une question de foi ou de fait? Okay? Alors, selon ça, on comprend dans le son jeudi, hein, et c'est une question de fait lié. En réalité, est lié, c'est lié à une dimension historique, les faits vrais sont faits que liés. Okay? Lié aller au-delà de cette question de foi, mais c'est une question de fait que lié. Alors, là, après t'étendre la Nouvelle Jérusalem, nous avons dit qu'il y a une dimension spirituelle, nous avons dit que c'est une question de foi que lié. Et les bagages que a parlé nous dans le ciel ou bien ça nous pourra joindre dans Nouvelle Jérusalem, Dieu nous pour encore ouais, OK, mais nous croyons en yo quand même parce que nous connaissons la parole bon Dieu pas qu'on mentir. Donc pas grande différence on t'a le faire en question de fait ou de foi, nous capable dire l'ascension de Jésus son question de fait que lui il grande dimension historique son réalité que lié OK. Donc si n'a prétend Nouvelle Jérusalem là, là n'a regardez-la avec les yeux de la foi, parce que tout ça, on parle dans la Bible, nous pouvons voir, mais nous croyons parce que nous connaissons la fête quand même. Merci. Oui, l'ascension de Jésus, à son fait lié.
il reconnaît à travers le monde, en général. Bonjour, chef professeur. Et bon, nous dis merci avec Joseph. Il est quitté bon d'utiliser les façon de présenter les sons. Si on y est un matin, comme c'est Joseph a parlé de lié saint et lié très saint, lié très saint et puis pavé. Nous, on connaît aujourd'hui, pas de Moïse encore, pas de Pharaon pour offrir sacrifice. Mais c'est corps pastoral, corps sénat qui est responsable, corps diaconesse qui est responsable. Tout ça qui pour faire en dans l'église pour superviser, pour contrôler, avant qu'il y ait au question m'a posé. Nous avons un paquet de systèmes qui rentrent dans l'église adventiste, étape par étape, petit casse par petit casse. Là, mais ma question m'a posé, non, qui ça? Si ça représente pour nous, quoi ça qui devant chair, qui devant table, et puis qui n'a pas vu ça là, qui ça représente pour nous, même adventiste? Dans le fin temps, côté toute profession, déjà fin accompli sous nous, nous sommes peuple à prier, veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Moi, je suis un plus petit lumière. Ce qui s'assigne, ça représente pour nous, même adventistes aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui nous ont dans le péristyle, dans le monde là, dans la grande assemblée, même moi, je suis entré parmi nous aujourd'hui. Je suis un petit lumière. Bon, et. C'est là, ça, c'est à dire. Pour qui ça, l'endocrissionné a gagné chez Macouron. Et quoi, dans l'Exode 20, il dit pas de représentation quelconque. Alors, il faut qu'on quelconque là nous-mêmes. Ça veut dire nous tellement de belles batailles à dire. C'est là, ça c'est à dire. Nous parlons quoi? Nous parlons de représentation quelconque des choses en l'air, des choses en bataille, des choses sur la terre. Nous parlons dedans. Nous sommes, regardez, nous ne sommes pas petits encore. Nous n'avons pas besoin de mettre image pour bien séduire nous. Nous garder de l'esprit. Bon Dieu accompli pour nous. Les papes viennent nous en y encore. Et puis, dans deux questionnaires, une image, il signifie, on va nous mettre deux mondes. Eh bien, le sens a un sujet lié. Ça clôt pour questionner un sujet. Ça veut dire, le soir détail, il fait développement sous lui comme une rédaction. Mais conclusion, puis grand peine. Puis grand plaire et dégraissement dedans. C'est le sens, il y a plein. Pour moi, ça me décapable de dire dans ça. Nous dit, institution, qu'on a un sigle, pour capable reconnaître que. Capable de reconnaître l'institution, reconnaître ton sigle, mais ce n'est pas un objet, une photo, mais ce n'est pas un objet d'adoration pour nous, dans tête nous, ou Dieu, c'est pour capable illustrer un bagage, c'est pour illustrer un bagage, pour capable mieux comprendre un bagage. Par exemple, je dis nous, je ne sais pas qu'on est mer Méditerranée, mais il y a un globe, et puis dans le globe là, regardez, moi mer Méditerranée, moi Afrique en bas, moi l'Europe dans le nord. Et c'est un exemple pour être capable de montrer où et côté bah il a situé, même pas quoi c'est un objet d'adoration ou pas. Merci beaucoup. On est si grand monde qui gomba pour ajouter en ce sens. D'accord. Dans toute présentation qu'on va faire, il des fois il est toujours bon pour venir avec des pictures, des photos pour capable illustrer un bagage. Et en pile fois au lieu on parle en pile ou parle en pile, pour qu'à venir avec des images pour montrer et mais qui sauve les paléa et en pile fois avec deux trois images que on va faire dans présentation, on va monter dans présentation permettre que moun yo comprenne. Quand il y a la question, c'est ça qui est peut-être monde qui présente l'image. Est-ce que vous venez avec une image pour capable adorer ou bien son image pour permettre qu'on capable comprendre et ça qu'a dit en réalité. Bon ouais, c'est quand il y a la mandé Ralph côté quoi là, il monte midi ça là, m'a jamais réalisé gon petit quoi dans bagaille ça là parce que focus moi c'est pas sur ça lié, focus là sur c'est Jésus venir adorer, c'est bon Dieu venir adorer, l'aime venir c'est ça moi. C'est ça dans les yeux moi. Alors toute question c'est qui raison qu'il faut venir avec lui. Est-ce que raison hein, c'est pour adorer ou du moins raison hein,
son message ou appeler pour capable attirer mon yo vers Jésus. OK? Donc c'est ça. Alors moi en réalité, m'pa pral sim d'a fait ba page questionnaire ça. M'pa d'a prendre photo au monde, mettre sous lit pour me dire ça c'est Jésus me connaît. Ça c'est pas photo Jésus lui en réalité. OK? Ça c'est moi m'pa d'a faire. OK? Mais et on nous dit image ça qui derrière questionnaire là qui parlait de Asie Pacifique li tout bon mon leçon géographique tout m'tou ouais côté tel pays etc. La prendre mon bagage vous comprendre l'idée c'est apprendre un bagage ben c'est pas m'ta ka dire attirer attention d'accord avec et Bellemeo qui parlait de grand pile monde qui utilise quoi etc. Nous comptons ça et m'pa quoi l'église là tout les supporter pour monde à utiliser pour te quoi sur yo mettez quoi dans machine nous te parler sur ça sur lui là pour reprendre mettons quoi sur etc. Mettons quoi dans machine nous compte utilisation yo. Mais dans certains cas ou cap faire des présentations elle va au cabinet avec yo mais l'idée c'est pour capable permettre pour nous comprendre en vérité mais c'est pas pour attirer attention mon vers objet ça qui pas faire un pour yo mais c'est attirer attention yo vers Jésus qui est même capable de sauver. Donc c'est comme ça nous la question. Amen. Et maintenant le pour nous terminer, dirigeant au divin nous terminer et nous voulons présenter notre question. Application de la leçon pour nous aujourd'hui, c'est lui même cap conclusion hein? Et nous dit quelle application nous pour aujourd'hui hein? Comme nous étudions cette belle leçon Jésus et Jésus ouvre la voie à travers le voile. Nous connaissons avec l'ascension de Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ qui est monté dans le ciel. Maintenant, nous pas dans le sanctuaire et mode sanctuaire israélite là, ancien mode sanctuaire israélite là. C'est ça qui explique la présence nous là. Nous n'avons dit dans le sanctuaire là. C'est grâce à parce que Jésus-Christ est mort, il est monté dans le ciel. Jésus-Christ est monté dans le ciel et nous disons que c'est lui-même qui ouvre la voie. Que maintenant pour nous, à travers le voile là qui est déchiré, nous sommes capables d'approcher nous vers lui-même, pour pécher nous, même quand Satan n'a pas accusé nous, mais nous n'avons pas peur, parce que nous connaissons et Jésus-Christ est monté dans le ciel pour le pardon de nos péchés. Et depuis nous repentir dans le bon côté, il attendait nous. Et voilà, Jésus-Christ est ouvert à tout, et nous dit que, et il demandait tout pour nous capables de consacrer nous, et nous, en présence de Dieu. Et pour nous, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu, c'est pour nous consacrer nous en tout temps. Parce que Saint-Esprit de Dieu habite dans nous-mêmes. Il m'a demandé la consécration. Et les n'a vu l'église à même, c'est plus raide. Ce n'est pas dirigeant ou quoi dire pour nous consacrer nous. Mais c'est nous-mêmes qui connaissons. Nous venons en présence de Dieu. C'est bon Dieu nous venons chercher. Bon Dieu là, pour nous consacrer nous tout. C'est ça leçon à apprendre nous. Nous venons aujourd'hui. Hein? Et leçon à apprendre nous tout pour nous capables et voir bon Dieu et ouvrir pour nous. Hein? C'est pour nous capables d'obéir. Commandement, bon Dieu, c'est pour nous pratiquer l'obéissance, c'est pour nous gagner la foi. Et bon Dieu, avec la foi que nous gagnons dans l'étude de sa sainte parole, maintenant, nous sommes capables de vivre le ciel et sur cette terre, tant que l'apôtre là dit nous consacrer, que pour nous capables de préparer nous. Et par la foi, nous connaissons déjà que Jésus est venu et nous déjà sauvés. Que bon Dieu capable de permettre nous, capable de mettre les paroles en pratique, pendant que nous avons consacré la bon Dieu, pendant que nous avons imité nous, nous faisons une prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et nous voulons te dire merci en ce matin pour ta présence au milieu de nous, pour Saint-Esprit qui a été avec nous, Seigneur, avec les membres d'Église. Merci pour cette leçon, Seigneur, qui exhorte nous, qui montre nous comment Jésus qui est important pour nous, qui est précurseur nous, qui est ambassadeur nous, qui est grand prêtre nous, qui est tout pour nous. C'est pour nous capables et aller vers Jésus sans intermédiaire. Nous-mêmes, nous voulons approcher nous parce que nous acceptons l'invitation que le fait pour nous. Aidez-nous pour nous capables de consacrer nous chaque jour, pour nous capables plus près de vous, pour nous capables d'étudier par vous et pour nous capables de la foi dans vous-mêmes. Bénis chacun de nous. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Et nous va finir sans nous pas remercier ministère l'école du sabbat, ministère de la femme, sœur Malène. Le corps pastoral de l'église qui t'a invité nous. Merci, membre de l'église, pour la compréhension. Nous, à un certain moment, gorge la table gâtée, mais merci pour la compréhension. Que bon Dieu bénisse nous tous.
Merci beaucoup. Amen. Maintenant, je vais vous donner un texte qui était un texte qui a inspiré le matin pour me capable de dire nous ça va le dire nous. Depuis dans Matthieu 28 de 1 jusqu'à 7, mais m'a dit nous seul 7 là parce que nous connaissons déjà. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Ça, c'est Ange donc qui dit ça à mesdames, yo, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres femmes. Maintenant, ça nous voit dans le message, ça, texte, ça, montez-nous tant que c'est un travail, une mission qui était confiée à mesdames, ça, yo. Et nous avons demandé pour qui ça, c'est mesdames, ça, yo, qui te recevoir mission pour y annoncer la résurrection de Jésus en tant que femme. Te gen Pierre, qui te un nègre très intrépide. Te gen Jean, qui te très affectueux, zanman Jésus. Te gen Luc, le docteur. Te gen Matthieu, le grand comptable. Et pourtant, c'était des pauvres femmes qui te recevoir mission ça pour y annoncer la résurrection de Jésus. Pour moi-même, unique raison, c'est que Jésus connaît que femme gain faculté pour accomplir avec enthousiasme, avec sympathie, amour et tendresse toute tâche que yo confié. Mesdames, ça yo pas tal dans sépulcre par hasard. Mais yo t'est allé pour yo tal embaumer le corps de Jésus. Nous toutes nous connaissons ça. Mesdames, ça a été porté aromate, il a porté parfum, puis il a embaumé le corps de Jésus. Et c'est là où arrivé dans le sépulcre, il a joué que Jésus n'est pas là. Ce qui a attiré l'attention nous surtout, c'est que mesdames, yo, tu ne dois pas aller jour matin ça, parce que l'atmosphère là n'a pas attiré le monde. Tant est très dangereux pour yo. Yo était menacé par les Juifs. Et c'est raison ça que fait. Monsieur, yo te fermé, tout monsieur, tout disciple, yo te bije fermé dans la chambre, non, yo mette clé, parce que yo konne que vie, yo te menacé, même j'entends coup Jésus. Eh bien, monsieur, yo te peur, femme, yo te peur tout, mais pourtant, yo te risque quand même, yo aller dans le sépulcre pour yal embaumer le corps de Jésus. Yo dis nous que Jésus, l'altap mouri, il pas trouvé personne. Mesdames, yon seulement qui te campé là, mais toutes amies garçons yon te allé. L'elle ressuscité jour matin, yon, y pa wè personne. Y ta pas tant à ce que te kage zami intime yon t'ave la te là, mais yon même pas te là. Nan matin sombre ça, c'était seulement quelques femmes qui te approché yon du tombeau, pour yon t'al wè côté Jésus, malgré yon te gen menace, malgré te gen des soldats romains, mesdames, ça yon pas de paix, yon avance quand même, nan matin ça. Et le yon rive, yon saisi, yon wè ou pa wè Jésus, tombe à vide. Et ça que te reconforte yon, c'est ange nan te paraît. Et ange nan te dit yon, il ba yon la mission évangélique, pour yon dit que j'allais promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Ça, c'était mission, sa femme yon te gagné, ou yon dit Jésus ressuscité, côté monsieur yon te yé. Donc, yon dit nous, en partant, Jésus lui-même là la parlé, il te dit disciple yon sa tout, à l'effet de toutes les nations des disciples. Donc, incident ça qui rivé dans tombe Joseph d'Arimathea, démontre nous que si femme yon mette tête yon ensemble avec monsieur yon,
pour être capable d'évangéliser, l'évangile là a fait gros exploit dans le monde. Sœur White dit que femme yo capable des instruments de justice, accomplissant un saint ministère. C'est Marie de Magdala qui t'a annoncé la première que Jésus est ressuscité. Si côté gain yon femme campé bon côté tout garçon yo te gain 10 femmes qui campé garçon yo, l'évangile là t'a fini prêcher déjà. Mes amis frères et sœurs yo, les femmes yo décidé pour capable accomplir mission que bon Dieu ba yo pour accomplir, pas gain monde qui ka empêcher yo faire parce que y a fait avec amour, enthousiasme, tendresse et sympathie. Matin, vraiment Maxime yo. M'a invité toute femme nan Peniel et toute femme à travers toute l'autre l'église yo pour yo camper jam bon côté Mario, bon côté petit garçon yo, bon côté frère yo et bon côté pasteur ancien, tout monde qui voulait travailler, mesdames, en nous camper bon côté yo pour nous capable aider yo parce que bon Dieu ban nous des dons pour cela. Et ça qui pi intéressant, c'est que non seulement nous besoin femme yo pour camper ensemble avec nous, non pas gain distinction de personne, quel que soit femme ou yéa, qu'elles sont ti moun piti ou ti femme, qu'elles sont grand moun femme, qu'on gen connaissance, qu'on jeune, qu'on vie, quel que soit femme nan koye matin, on a dit que nous besoin mette ensemble avec nous pour faire travail là, pour l'évangile à prêcher, pour nous dire moun yo, Jésus te mouria, il ressuscité, il monte dans le ciel et la retourne très bientôt. Atmosphère là pas bon qu'on y a. Il est difficile pour prêcher, mais même j'entends qu'on mesdames yo, pas quittant rien faire nous paix. En nous pas quittant rien défier nous, n'a avancé fermement en compagnie de toute la dirigeant yo, nous femmes Peniel, campé chom pour n'a faire pour nous connait que Jésus-Christ a retourné très bientôt. Nous besoin nous bon côté nous. Mesdames, est-ce que nous là avec nous? Est-ce que n'a aidé nous? Campé en département évangélisation. Campez beaucoup de messieurs et nous pourrons aller et très bientôt nous quitter la terre et nous pourrons rencontrer ce grand Jésus qui l'a cap intercéder en notre faveur pour nous finir avec souffrance. Et maintenant, frères et sœurs, maintenant nous pour nous chanter ensemble avec nous. Nous avons un chant. C'est lui nous gagner pour année ça. Sonnez la trompette, sonnez la fort, sonnez côté nous passer dans tout coin, dans le travail, dans l'église, dans le voisinage pour nous faire connaître que Jésus a retourné. En aller. Sonnez la trompette. Sonnez la fort, Jésus-Christ revient bientôt. Pèlerins joyeux, chantez, oui chantez. Jésus-Christ revient bientôt. Revient bientôt, revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse tous. Possibility, I am a promise, just a capital P. I am a great big bottle of potentiality. Oh, yeah. And I am learning to hear God's voice. And I am trying just to make the right choice. I am a promise to be anything God wants me to be. Promise with a capital P. I am a great big bundle of potentiality. Oh yeah. And I am learning to hear God's voice. And I am trying just to make the right choice. I am a promise to be anything I want. I am a promise to be anything I want. God wants me to be.
Good morning and happy Sabbath, church family. Today's Children Corner is about godly women in the Bible and their contribution in their communities. Our focus will be on Deborah in the book of Judges. But first, let us start with a word of prayer. Bow your heads and close your eyes. Dear Lord, thank you for this day. Thank you for allowing us to come to church safely. Please bless us, guide us, protect us. Let's have a wonderful day. Please bless that everybody in here takes the lesson and apply it in their daily life. Forgive us all our sins and angels, I pray. Amen. Open your Bible to the book of Judge 4, verse number 4 to 9. Now Deborah, a prophet, the wife of Labatoth, was leading Israel at the time. She held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites went up to her to have their disputes decided. She sent for Barak, son of Abinadab, from Kedesh in Naphtali, and said to him, "The Lord, the God of Israel, commands you. Go take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun, and lead them up to Mount Tabor. I'll lead Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his troops to Kishon River and give him into your hand." Barak said to her, "If you go with me, I will go. But if you don't go with me, I won't go. Certainly, I will go with you," said Deborah. "But because of the course you are taking, the honor will not be yours, for the Lord will deliver Sisera into the hands of a woman." So Deborah went up with Barak to Kedesh. Women play a large part in biblical events, and they are a vital part of the church today. But who was Deborah? Deborah was an extraordinary woman, a servant of the living God. And how do we know that? Because her name is mentioned in the Bible. Deborah was a prophet and judge. She was the only judge described as a prophet in the Bible. Do you know who a prophet is? A prophet is a woman whom God chooses to convey his special message to others. A prophetess is a messenger of God. To be a prophet, one needs to be faithful. So Deborah was a faithful servant of God. Deborah was also a wise and fair woman. When people were fighting each other, they went to Deborah under a planned tree to settle their dispute. What role did Deborah play in her community? Deborah was a leader in her community. A leader sets example for others to follow. Leaders guide their people and stand firm when everyone else feels defeated. Deborah tells Barak to go into a battle against Sisera and his 900 chariots as God will give him victory. But he insists Deborah goes with him. She sent for Barak, son of Abinadab from Kedesh in Naphtali, and said to him, "The Lord, the God of Israel, commands you. Go take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun and lead them up to Mount Tabor. I will lead Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his troops to the Kishon River and give him into your hand." As a leader, Deborah has faith in God. The prophetess promised victory in the name of God, and Barak led his troops down the Mount Tabor. Chapter 5 explains how the Lord defeated Sisera. In closing, Deborah played a large part in biblical events and was a vital part of her community. Deborah's experience teaches today to fear the Lord, to be wise, be a leader in our church and community, and have faith in the Lord. May God bless you. Let's close with a closing prayer. Bow your heads and close your eyes. Dear Lord, thank you for this day. Thank you for allowing me to give the word. Please bless that everybody understood what I said. Please bless that they take it with their heart. Forgive us all our sins and ages, I pray. Amen. A possibility. I am a promise, promise, promise with a capital P. I am a great big bundle of potentiality. Oh yeah. And I am learning, learning to hear God's voice. And I am trying, trying, trying just to make the right choice. I am a promise to be anything God wants. I am a promise to be anything God wants. I am a promise to be anything God wants me to be. Okay, Maxime, bonjour. You can do better than that.
Maxime, yo, bonjour. Oh, pour nous dans notre cœur, pour la joie qui a débordé dans notre cœur. C'est quand on sort de féerie de couleurs que je maté dans la salle. Je suis content, je suis pas quelqu'un qui me parle depuis longtemps. Je suis content, je suis maté. Et je voulais prendre, je connais Sœur Fernandez, c'est fait bienvenue déjà. Mais je voulais souhaiter à nous tous qui la maté, que je parle depuis bien longtemps. Pas besoin de citer nos noms, nous connaissons. Donc, je voulais souhaiter nous un bienvenue à l'église de Peniel, Jérusalem 2, l'église nous, matin, hein, parce que jeudi, nous avons Women's Day. C'est pas vraiment Women's Day, c'est jeudi, son journée de la prière pour toute femme qui est dans le monde entier. Si nous ne pouvons pas prier, la crainte nous pendant toute semaine, hein, journée de prière, ça va nous opportunité pour nous capables de prier matin. Hein. Et pas seul matin, hein, c'est tout week-end. Hein. Nous commençons depuis hier, nous avons continué jeudi, hein, et nous avons continué à souhaiter, hein, et nous avons clôturé demain si Dieu veut. Nous avons l'opportunité également pour nous clôturer demain si Dieu veut, parce que nous avons un jeûne demain si Dieu veut. So, thème en week-end, hein, li parle côté pour nous prier dans les derniers temps. Li coïncide avec le son de l'école du sabbat que nous avons étudié. Hein. Li parle pour nous prier dans les derniers temps. Parce que nous-mêmes, en tant que femmes, nous avons besoin pour nous prier dans le mauvais temps, dans le dernier temps que nous y jeudi. Et les gens qui sont responsables, ou même ministre dans la conférence générale, ils ont plusieurs bagages pour nous prier. Ils ont demandé nous, premièrement, pour nous prier pour pardon péché, nous. Pour nous prier pour sanctification, nous. Pour nous prier pour jeunes, nous, petites filles, nous, avec petits garçons, nous. Que Satan lui-même a besoin de manger. C'est pour nous-mêmes, pour capable semaine ça, week-end ça, pour nous capable prier pour tout le monde ça. Et également, nous demandé nous capable prier pour femmes qui réfugiées. Bah qu'on est si nous abgardés dans semaine là, nous on pas qu'être femmes qui Ukraine cap courir avec tout garçon qui aurait été en Ukraine puis capable défendre pays. Et nous est femmes qui allé en Pologne, femmes qui atterri en Allemagne, femmes qui atterri en Roumanie. Femme qui atterrit un peu partout avec petit yo. So, ça fait que nous casser. So, matin, d'une façon spéciale, nous pouvons demander nous en prière nous pour nous prier pour toute femme réfugiée, ça yo, cap courir avec petit yo, pour mon Dieu capable de protéger yo. Également, yo montre nous l'église adventiste en Ukraine, dernière fois, m'te wel, l'été s'il campé. So, n'a prié pour l'église adventiste en général qui en Ukraine également. N'a prié pour toute femme qui est abusée. Femme qui a abusé non seulement physiquement, votre femme qui a abusé également émotionnellement. N'a prié matin pour bon Dieu capable aider nous porter workload là. N'a prié d'une façon spéciale for the single mother. Paquet femme qui cap lever ti moun pour kontyo, qui pour kontyo, n'a gagné attention spéciale pour fils ayo matin. Et également n'a prié pour leadership, women leadership dans œuvre adventiste. Nous remarquons nous avons pile filles qui sont en position de leadership dans notre institution, dans l'Adventiste. Si vous demandez nous matin, hein, pour nous prier pour les femmes, pour nous bien. Nous ne pas parler de pasteur, non? Cependant, nous avons prié pour les femmes capables de développer, capables d'occuper en position de leadership dans l'institution Adventiste. Et matin, d'une façon spéciale, nous voulons reconnaître un paquet de ça que nous relais des guerrières de prière qui sont dans l'Église, non? Des warriors dans l'église non. Nous voulons reconnaître pas les moun nan mouri pour n'a parler de li pour n'a font paquet en parlant pile. Matin moi voulons reconnaître d'une façon spéciale sœur Agina qui toujours là sous ligne. Matin midi soir cap conduit nous dans la prière. Moi veux reconnaître cela merci qui là avec nous matin qui toujours sous ligne cap prier avec nous. Moi reconnaître sœur Adam qui toujours là. Sœur Adeline, sœur Guylaine, sœur Edith sur Cola, sur Cerès, sur Josette Louis, sur la Bastille et tant d'autres qui toujours là sous ligne de prière là. Sur également sur Augustin qui toujours là. Pas monter à toute l'heure, mais n'importe le monter à toujours gagner prière sous ligne de prière là. Et si nous gagnons, we don't want to take it for granted. It's because of those faithful sisters. We want to say thank you to you. Et matin, d'une façon spéciale, nous avons lu pour nous dans Hébreux 6, verset 10.
Côté que l'apôtre Paul lui-même lui déclarait, bon Dieu lui-même n'est pas injuste pour ne pas oublier tout ça que nous faisons, non seulement dans l'église, mais tout service que nous rendons à saint. Son plaisir pour moi, je reconnais toute femme qui est dans la salle la matin. Cependant, il y a des femmes, soit je l'aime, je suis teenager, je suis grandi, il y a des femmes extraordinaires dans le monde entier que je n'ai pas admiré, mais que je remets. Par exemple, je remets Margaret Thatcher, je remets Madeleine Albright, et plus près de nous, je remets Madame Obama. Je ne pas toutes les filles, mais dans toutes les filles, fille que m'te pi préféré c'est maman parce que c'est maman qui démontre comment pour me prier. Maman qui aide qui fait dans l'église dans la jeudi a bien que le pas là, votre fouille travaille toujours là. Et jeudi a, nous gon pile femme dans l'église là. Cependant gon série de femmes dans l'église là que nous pas capable passer inaperçu. Nous va attendre que c'est les mourir pour nous capable dire merci. Et matin en première femme que m'ta voulu honorer matin pour me dire merci pour tout sacrifice que le fait dans l'église là parce que fils à son fils qui était sous genoux pour capable prier. C'est la sœur Kathleen François. Dis pas connais ça non? S'il te connais ça t'a dit pas fait. C'est la sœur Kathleen François. Sœur c'est pour monde qui bien. Cependant, sœur a sacrifié tout temps lui dans service bon Dieu. Sœur Kathleen nous dit merci et c'est bon Dieu seulement qui va remettre tout ça. As a token of our appreciation, I know. So we just want to give you this little present. Gay on lot young adult. She's a young adult. Que li toujours là dans l'église là, dans tout service l'église, li pas jamais manqué, li toujours là. C'est la sœur Liz lui. Mathieu nous voulait reconnaître la sœur Liz lui. Ça c'est futur Roman ministry de demain. Troisième monde que je voulais reconnaître là, libre à l'anti, j'en saisis, c'est la sœur Sandra Jean-François. Sœur Sandra, l'amitié, je ne sais pas si je suis secrétaire de l'église qui a coupé sœur Sandra. Tout ça, ou besoin, sœur Sandra a forjoint ni, c'est sœur Sandra qui Québec communication entre l'église là avec l'extérieur. She's doing a wonderful job. Let me tell you. I mean, at my job, I would have hired her in a heartbeat. Et dernier monde que nous voulons reconnaître là, lisson monde, les en COVID, presque manger nous, li pa jam pa vini avant ti amosté, pour qu'on va battre tout le monde l'église là. Ou pas qu'on est depuis qu'il est là, les pharmacistes, les infirmières, you name it. C'est la sœur Yannick. Dans le monde de sœur Yannick avancé, moi, Cassandre là. Sœur Yannick là, Cassandre? Nous disons merci à sœur Yannick. Nous disons merci en pile, sœur Yannick, pour toute bonté côté de nous. Nous pas qu'on s'en traite au juste, traite tout bagage. So, nous disons merci. Thank you, Dr. Yannick. Et vraiment, avec ce, nous dit toutes, mesdames, ça, merci. Nous pas dire amen pour vous. Amen. So, tout service que vous rendez l'église là et que vous rendez saint dans l'église là, c'est bon Dieu seulement qui va récompenser vous. Et thème nous pour année ça, le même thème avec activité laïque, c'est reach one, touch one, reach one. For to evangelize the world. On nous moyen yon, on nous touche yon, on nous reach out to yon pour évangéliser le monde. Vraiment avec ça, nous pourrons le passer. M'a fait le travail. Nous pourrons le passer ça. On a demandé toute forme. Nous t'en aimerons en contact avec nous. Nous pas remettre ces jodia seulement nous wè nous. Ou même ministre suite avant remettre en contact avec toute femme qui l'église là. Nous pral passer ça, n'a mettre nom nous, n'a mettre adresse nous pour nous capable kembe en contact parce que nous gan pile bagaille pour nous voiner ça et ou même ministre a travaille de concert avec activité laïque pour capable évangéliser le monde. N'a évangéliser à Jérusalem d'abord, ensuite n'a pas sauté naval Samarie.
La mode tout le monde qui mette en toute forme, mette non nous, mette adresse nous, pour nous capables de faire en contact avec nous. Put your phone number as well. Nous disons merci, comme journée jeudi, hein, si on journée de prière, nous avons des soeurs qui ont avancé pour faire un coup de prière pour nous. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sentons contents. Nous sentons nous gagnons joie à déborder dans le cœur, non? Parce que nous réunis la matin ensemble pour nous capables de venir la prière, pour nous capables de venir adorer, pour nous venir louer, parce que c'est vous-même seul qui méritez louange, compliment pour tout ce qui est là. Nous disons merci pour notre sœur Marlène Saint-Hilaire, que vous placez dans cet département ça pour capable faire travail ça le Saint Esprit ou capable imprégner lui et que toute l'autre collaboratrice qui ensemble avec lui Saint Esprit capable guider nous capable rester attaché à nous-mêmes. Seigneur, nous pas gain mot pour nous remercier au matin. Merci pour toute femme qui là matin, merci pour tout garçon yo tout qui courait, mesdames, yo, pour capable continuer à faire travail. Ça. Seigneur, merci. C'est mot ça que nous gagnons pour nous adresser avant matin, parce que nous pas prions en qualité de bon et de juste. Nous prions avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit, qui demeure, dès à présent, dans tous les siècles des siècles. Amen. Maxime, yo, visiteur qui l'a avec nous matin, bonjour et bon sabbat. Nous revenons par ce moment annonce nous. Nous connaissons jeudi à son sabbat exceptionnel. Sabbat passé, son sabbat exceptionnel. Sabbat en haut, son lot. Chaque sabbat, c'est sabbat exceptionnel parce que sabbat, c'est pour bon Dieu lié, côté nous fait une belle gloire, honneur que lui-même mérité. On va nous passer nous avec. Nous, c'est Chantal qui a quelques annonces. En nous voulons faire nous connaître département les hommes, département la famille et département la femme. Dis-nous tout qui la merci. Parce que si ce n'est pas nous-mêmes, après bon Dieu, dans ce là, tout ça, le programme sera fait là, non, non, je dis, pas après ici. C'est nous tous qui mettons ensemble pour qu'il fait bagage, ça y est fait pour bailler bon Dieu gloire. La femme, attendons-nous après-midi à 4 heures parce qu'il y a une table ronde. Ces semaines, ces journées de prière là qui continuer. Donc, nous avons tout qui là pour nous venir, pour nous venir prier, pour nous venir laguer les problèmes que nous Seigneur. Nous allons passer nous avec Christ, classe enfantine, ministère des enfants, qui se fait Chantal Augustin. Merci, Sœur Sandra. Bonjour, l'Église. Nous, belle, oui, matin. Moi t'ai parlé avec parents qui sous groupe chat là. Moi encore remercier l'église parce que m'pa jamais camper là depuis au fin nous-mêmes nous nommer pour me travailler avec témoignage. M'a fait effort pour que bon Dieu capable aider moi pour nous capable préparer témoignage pour le ciel. 19 mois ça c'est Global Children/
Youth Global Day, c'est journée internationale pour jeunes avec Timonio. Nous toujours chaque année, nous gon façon nous kon honorer mon ami Miami. Année ça n'a continué mais n'a continué l'agile. Nous mandé pour département yo capable collaborer ensemble avec nous la famille tout département yo spécialement laïque parce que c'est comme ça son forme de évangélisation qui est lié tout. Parce que tout le monde n'est pas capable de sortir pour compte. Nous avons bien service dans le matin. Maintenant, après-midi, nous gagnons. Nous pouvons décider exactement qui côté, mais nous gagnons. Ça nous relève un privilège. Ça veut dire que qui pas une opportunité, même gens avec nous-mêmes qui sont là, comme les pour nous capables d'honorer. Nous gagnons basket, nous pouvons le mettre samedi si Dieu veut dans l'lobby. Et pendant ce maintenant, ça venir là, s'il vous plaît. Dans n'importe façon capable aider moi envoyer liste là déjà sur groupe chat et secrétaire là aider dans façon ça pour l'autre groupe qui pas joindre liste là pour yo capable joindre n'a pas tout ça qui dans liste là que nous capable porter pour nous capable à le distribuer pour nous capable prêcher l'évangile là et comme ça tout nous n'a prêt le care package n'a pas le faire bag pour nous mettre yo et n'a gagné laïque n'a gagné pour capable mettre flyer là dans tout pour nous capable prêcher l'évangile là. Ministère des enfants gain pour trimestre ça, ça nous relève responsibility, c'est sur ça nous focus. Donc tout monde déjà connaît responsabilité yo, qui ça yo gain pour yo faire et nous même tout en tant que parents n'a collaborer parce que bon Dieu ban nous chaque là, nous gain responsabilité nous c'est pour nous aller prêcher l'évangile et n'a fait li en action et nous capable porter manger, n'a pas l'islam pas besoin dit toute bagaille n'a pas et si nous voulons bailler l'argent tout nous capable avec Sandra ou avec moi ou avec n'importe mon département ministère des enfants pour pas bien temps pour aller acheter baio et que nous mêmes nous capable faire ça moi compter sur collaboration nous toutes que bon Dieu capable bénir nous pas oublier gagner chorale répétition chorale après-midi pour Timonio à 4 amen amen et bien nous pas demain si Dieu veut nous gain journée de prière nous connaît journée de prière ça c'est une journée de prière spéciale. Nous avons plus qu'un an depuis nous avons chaque premier dimanche de mois, nous avons une journée de prière là. Nous avons tout le monde qui l'a connecté dans la journée de prière là. Je ne sais pas si les montées, moi, c'est 20 personnes seulement qui l'a. Amen. 20 personnes, 20 familles, parce que nous montées en famille, parce que nous connectons tout le monde dans la connecté tout. Ça nous dit de ça? Amen. Donc, journée de prière là, montée. Vous êtes capable de monter en certain temps, bon, montée alors qu'à monter là. Pour pas tout retourner encore ou monter. Nous, pour te bon Dieu, nous prions pour nous venir continuer. Demain, journée prière, ça commence aujourd'hui, elle a continué demain si Dieu veut. Nous avons un comité d'église samedi, si Dieu veut tout. Tout le monde comité d'église pour nous là, pour nous venir. Puisque le comité d'église samedi, si Dieu veut, nous ne pouvons plus être clairs samedi, si Dieu veut. Parce que nous avons un staff là, dans le comité d'église. Mais après-midi, nous avons, quand l'église finit, nous avons un club. Des éclaireurs qui mit avec aventurier tout parents qui peuvent enregistrer Timonio pour nous enregistrer Timonio pour éclaireur nous contacter Sandra pour Aramako nous contacter Lise registration c'est parents plus forme non seulement pour nous bailler cotisation pour année à l'agent registration fia pour nous remettre li tout si nous poko baili nous gagne liste l'église là qu'on a update là nous update li l'église là. Tout l'autre département yo ka joine information nous devons un link aller dans en Google Doc document link aller dans groupe chat l'église là ça seulement pour faire la donne pour cliquer la donne après rentrer information dans téléphone nous pour changer adresse sous changer téléphone sous pas changer rien juste réécrire non quand même et puis faire nous connecter same dit tout bagaille au même genre comme pas besoin worry de anything parce que dans nous c'est ancien adresse qui gagne téléphone nous si nous changer fill everything la vinn joindre moi après ou click submit après n'a vinn joindre nous si son moun ki pa gen ki besoin aide non nous pa vle fill document là just fait me connait mais même ma point out form là m'pote le ba nous l'église là mais c'est plus moun ki pa vini là l'église là parce que gen moun ki toujours été online à cause de corona so m'attend nous si nous gen plus que sous l'église là contactez moi. Et ça, c'est toute annonce nous. Nous remercions nous toutes. Pas oublier samedi à 4h, chorale des enfants à 4h. Et puis tout, nous demain si Dieu veut sur la ligne de prière là.
Bon sabbat à vous tous. On l'autre bas, moi t'ai oublié dit nous, sinon ouais, réunion dévotion le sabbat matin, nous ouais, il commence point nous dit gloire à Dieu pour ça bien. Pour qui raison? C'est parce que ministère des enfants pas commencé à 10h. Ministère des enfants commencé à 9h30. Ça veut dire mené ti moun yo bonheur pour nous. Sou mené ti moun à 10h, programme nan gen tan fini. Mené ti moun yo bonheur pour nous. Sou vle rete avec nous en dedans, nous pas un problème. Mon ka vinn nan dévotion là tout. Amen. À l'adoration. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons en devant lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pour débuter le culte d'adoration, chantons les paroles trouvées au numéro 24. Alléluia, louange à Dieu. Alléluia, la louange à Dieu, chrétien célèbre aux anges.
Que nous trouvons dans Genèse 2, verset 18. Ouvrons nos Bibles, Genèse 2, verset 18. Je lis pour vous. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. La parole de Dieu est bénie. En pile roche pral roule matin yo déjà roule au nom de Jésus. Combien monde qui croit ça matin? Combien monde qui croit ça matin? En pile roche pral roule qui laisse les nous prier, pas vrai? En pile roche va rouler les nous prier. En pile roche va Seigneur, Dieu grand et redoutable, éternel, matin, mes petits tuyaux, humblement prosternés devant ma majesté. Nous venons devant pour nous gloire, pour nous louer, non, Seigneur. Seigneur, même Jean, les anges qui partent en péché, dans le jour sabbat. Tellement grand, je ne peux pas capable de figure. Je peux peut-être voir avec celle. Je suis capable de voir gloire. Ta grandeur est insondable, Seigneur. Ton pouvoir n'a pas de limite, Seigneur. Ton amour est incommensurable, Seigneur. Et ça fait nous venir la matin. Pour nous venir dire gloire, honneur. À toi, le Dieu suprême. À guetant pour nous, Seigneur. Nous venons au merci. Merci pour grâce. Merci pour compassion, pour miséricorde. Merci, Seigneur, si nous là toujours, nous vivons toujours. C'est parce qu'il y a un bon Dieu. Si on n'a pas porté nous aller, c'est parce qu'on vivant. Il y en a nous qui tombés, qui levés.
Et puis c'est donc à l'hôpital qui retourne, Seigneur. Éternel, qui est-ce qui te gâte pour vous-même? Pas gâte pour non, bon Dieu. Pas jamais gâte pour vous, Seigneur Dieu. En dépit de tout ce qu'on fait pour nous, nous péchons quand même, oui, Seigneur. Et ça fait matin, nous venons. Nous venons demander grâce. Nous venons demander pour laver nous. Nous venons demander pour purifier nous. Sanctifier nous, Seigneur Dieu, s'il vous plaît. Parce que nos péchés, nous faisons ça pas bon devant vous, Seigneur Dieu. Retirez orgueil dans nous-mêmes. Retirez jalousie. Retirez la haine, hypocrisie, Seigneur. Changez-nous nos souples, Seigneur. Fais-nous des hommes et des femmes exemplaires. Côté nos passés pour nous représenter, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais à cause du comportement, nous. Nous capables de prêcher l'évangile là. Partout côté nous passer, dans le travail à travers les rues, Seigneur. Aie pitié pour nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Matin, Seigneur, m'a présenté où, mesdames Péniel, non seulement vous-même, mais les adventistes à travers le monde entier, Seigneur, qui ont subi un problème dans la famille, Seigneur. Côté famille, l'éternel Dieu d'amour, il y a un mariage qui est en coma. Il y a un mariage, Seigneur Dieu, qui sous béquille, Seigneur Dieu. Mais vous-même, le réparateur des brèches, pour qu'on répare, Seigneur, n'a pas demandé au Seigneur Dieu matin. Si l'amour est fané, n'a pas demandé au même l'eau source de l'eau de vie, hein, source à oser nous, Seigneur Dieu. À oser l'amour pour nous, Seigneur. C'est souffle coupé, ou même souffle de vie. Souffler dans le mariage pour nous, Seigneur. Nous demandons pour restaurer le mariage, Seigneur Dieu. En pile divorce, nous connaissons Satan par mais deux institutions mettent ensemble, Seigneur. Mariage avec le sabbat. La fête, tout ça, le capable, Seigneur Dieu. Le capable de tirer. Mais au nom de Jésus de Nazareth, pas pouvoir, Seigneur Dieu, pour gain pouvoir pour restaurer le mariage. Pour gain pouvoir, Seigneur, pour pouvoir pas limiter. Nous l'avons mariage dans la main, Seigneur. Nous l'avons péniel dans la main, Jésus. Nous l'avons tout adventiste à travers le monde entier. Nous avons enduré le même problème dans Seigneur Dieu. Il fait Timounio l'éternel. Il n'y a pas qu'à vivre les parents divisés. Timounio divisé, Seigneur Dieu. L'éternel Dieu d'amour. Nous avons demandé union dans la famille. Aidez-nous à comprendre. Aidez-nous nous-mêmes à comprendre Marino. Aidez-nous à comprendre nous tous, Seigneur Dieu. Nous ne pouvons pas faire ça, peut-être pas nous, mais par force de cet esprit, nous avons pu faire quand même, Seigneur, parce que nous ne sommes pas capables. Nous sans force, Seigneur Dieu, mais ou même l'éternel, nous avons force, nous avons faiblesse, nous, afin que nous sommes capables de faire des mariages. Aidez-nous, Seigneur, nous avons monté sous chair, nous avons marié, nous avons pas dit jusqu'à ce que le divorce fait partie par là. Nous te dit jusqu'à ce que la mort sépare nous, Seigneur Dieu. On n'y a pas la mort qui a séparé, c'est divorce qui a séparé. Nous demandons pour boucher van divorce ça pour nous, Seigneur Dieu. Boucher van divorce ça pour nous, Seigneur Dieu, nous sommes capables. Fais-nous grâce, Seigneur. Petite fou qui pourra porter la parole. Et à un moment ça, nous demandons, Seigneur, pour saisir, Seigneur Dieu. Tout ça que le poil dit, l'avenir de nous-mêmes et nous-mêmes qui a porté. Pour vivre en tête spirituel, nous, pour nous capables de comprendre, pour nous capables de édifier à salut. Seigneur, béni. Moi, nous parlons passer ensemble dans Seigneur Dieu. Marie, tout esprit méchant qui parle ou même, qui te empêché par nous parler, Seigneur Dieu. Prends contrôle ça là pour nous. Prends contrôle le programme pour nous, Seigneur Dieu. Nous parlons de quelqu'un qui est bon et qui a mérite, Père. Nous prions au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, pour le nom de Jésus, ton Fils unique qui vit. Et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Oh. Donc, il est beau, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oui, cher Seigneur, notre Dieu, notre Père, que papa Olsa nous présenter devant matin, hein, pour nous présenter petit couillot. Vers la terre, les femmes qui ont célébré, qui ont fêté, qui ont prié, dans le moment ça, qui ont intercédé,
n'a bon gloire, n'a bon honneur, n'a bon louange. Est-ce que dans où tu mettais moment ça, moment spécial ça pour nous les femmes, pour nous capables venir intercéder pour peuple et surtout pour les couples, les mariés aussi, pour toutes femmes qui a subi une violence quand même dans le monde là. Nous et pour ça que nous on mettait moment ça capable prier pour vous, pour capable dire un mot pour vous, capable délivrer au Seigneur. Non seulement les femmes, ils n'ont pas oublié les hommes, ils tout Seigneur, parce qu'ils ont même tout, ils ont subi des violences, tout, maltraitance, tout, bah, les deux bons, nous avons pleuvé tout devant pour capable dire un mot, ou même qui ont mis l'ordre dans des ordres pour capable consolider ensemble pour qu'on ait que c'est eux-mêmes qui créent en tant que famille, pour être capable de vivre ensemble dans l'amour, l'un pour l'autre, nous donnons merci pour ça, Seigneur. Et non, malgré tout ce qu'on fait pour nous, Seigneur, pour te venir mourir sur le bras du calvaire, pour capable nous, pour nous, pour nous capable remporter victoire complète sur le péché, mais nous toujours fait ça pas bon. C'est à cause de péché nous, à cause de mauvais comportement nous, à cause de manque de consécration nous, de sanctification nous, qui fait que nous avons subi tout problème ça. On a rencontré entre les femmes dans la famille et les hommes, j'en ai comporté nous. Mais si que vous êtes régné dans la famille, c'était le Saint-Esprit qui t'a dirigé tout problème ça. Ça fait un abdou pour prendre direction des familles, des familles, de timonio spécialement, Seigneur, n'a plevé devant en ce moment les jeunes à travers la terre, dans le monde entier. Nous avons regardé comment jeunes a souffri. Tout est timon qui a pleuré de séparation qui a fait entre familles, surtout dans le problème de guerre, ça qui a fait ça. Nous avons timon, un petit garçon a pleuré, maman a pleuré, il est obligé à prendre la fuite, à séparer, à l'autre côté, dans les autres, papa a même été dans la guerre. Tout bagage, ça a fait fond cœur pour dire des souffrances que l'ennemi mettait. Non, mon dame, pour mettre séparation, pour faire que petit ou yo, les hommes et les femmes, famille, pas capable vivre ensemble, pour capable vivre, pour pas vivre dans le bonheur, mais pour vivre dans la souffrance. Nous demandons tant prier, Seigneur, ou même qu'on Dieu de bonté, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, ou à tout mot, que Saint-Esprit, Seigneur, capable à lève la vie de nous chacun, et surtout les femmes qu'on mettait en tête pour diriger dans le monde entier, tant que dans le monde là et tant que dans l'église, nous demandons que nous ne prenions pas en direction de ça, ou pas quitter ou venir faire bagaille de propre ou même pour agir de par opinion, par pensée, mais que ce Saint-Esprit est capable de diriger, capable de conduire, afin que tout ça soit capable de faire, capable de sortir bon ou même, et l'autre petit ou capable prendre là comme exemple, capable adopter, bah, ça pour capable marcher bien, pour capable faire volontaire selon Jean Mandy à Seigneur. Nous donnons merci vous Seigneur pour tout ce qu'on fait pour nous. Encore une fois de plus, nous lever les enfants devant, la jeunesse devant. Jeunesse yo que le monde que Satan prend les Mario, Satan prend au lit, il fait affaire de bagaille que qui pas conforme, que pas qui du tout qui vous capable qu'embé loin de vous-même. Et surtout Seigneur, nous lever jeunes surtout qui fermé dans les prisons du diable, les prisons naturelles, soit l'emprison Seigneur, c'est jeunes seulement qui là-dedans. Nous mandons qui fait famille au vin diviser, sa mère séparer, qui fait que maman à papa à craser, à briser. Nous mandons tant prie, dis un mot pour yo Seigneur, libérer ti moun sa pour nous, prend direction jeunes nous yo. Conduis surtout nos jeunes femmes, les jeunes filles qui ont développé dans l'église. Nous demandons que cet esprit soit capable de lever la vie afin qu'on soit capable de sortir des femmes distinguées, des femmes de distinction, des femmes de conséquences, afin qu'on soit capable de faire travail ou mettre au pour faire surtout pour qu'on soit capable de quimber frère ou bien le revenir dans le moment pour qu'on soit capable d'entrer en frère pour faire ménage. Pour être capable de quimber timon pour élever et afin que la société soit capable de sortir une société honnête, une société qui observe, une société qui prépare pour rencontrer avant. Bénis l'église ça, Seigneur, l'église ça en particulier, toute femme qui est là-dedans et les hommes aussi, fait que nous tous ensemble, femmes, les hommes, garçons, yo, pour nous faire seuls entre nous-mêmes, pour nous retirer l'union dans nous-mêmes, même pour nous vivre, Jean, mon Dieu, m'a dit nous, comme petit bon Dieu, qui a préparé pour le ciel.
Nous nous remercions pour ce qu'on fait pour nous et ce qu'on continue à faire pour nous. Parce que nous prions, ce n'est pas parce que nous avons bon idée, mais c'est au nom de ton fils Jésus-Louis qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. En pile, porte pas l'ouvrir, laisse nous prier. En pile, porte pas l'ouvrir, laisse nous prier. Avec la foi, porte pas l'ouvrir, laisse nous prier. Service de fidélité. Jésus se tenait dans les parvis, à l'endroit où étaient les troncs destinés à recevoir les dîmes et les offrandes. Et il observait ceux qui apportaient leurs dîmes et leurs offrandes. Bien des riches présentaient avec beaucoup de fortes sommes, et Jésus les regardait tristement sans commenter d'aucune façon leur acte de libéralité. Tout à coup, son visage s'illumine en voyant approcher une pauvre femme, hésitant comme s'il craignait d'être observée. Elle se tenait en arrière avec l'humilité. Cependant, elle désirait faire quelque chose. Elle désirait faire quelque chose si peu que ce fit pour la cause qu'elle chérissait. Elle regarda le don qu'elle tenait à la main fort, peu de choses en comparaison des présents des autres, mais c'était tout ce qu'elle possédait. Elle jeta à la hâte ses deux pites et se retourna pour s'en aller en faisant ce mouvement. Elle retourna le regard de Jésus fixé sur elle. Je vous le dis en vérité, cette pauvre a mis plus que tous les autres. Ses yeux remplis de larmes, de joie, autant qu'elle vit son acte compris et apprécié. Mais Jésus discernait le mobile qu'il avait fait agir. Cette femme croyait le service du temple établi par Dieu lui-même. Et elle voulait faire tout ce qui dépendait d'elle pour y participer. Beaucoup de ces riches avaient donné de leur superflu dans l'intention d'être vus et estimés des hommes. Dieu préfère un cœur plein de joie et d'amour aux dons plus précieux. Cette pauvre femme avait donné
ce qui lui était nécessaire pour vivre. Elle s'était privée de nourriture pour donner avec foi ses pites, assure que son Père céleste ne la délaisserait pas son grand besoin. C'est cet esprit désintéressé et cette foi enfantine qui lui valit l'éloge du Sauveur. Courbons nos têtes pour une courte prière. Adorable Père des cieux, nous bénissons, nous disons merci pour grâce ou pour bonté ou manifester envers nous. Nous disons merci Seigneur pendant ce maintenant où tu protéges nous, nous t'as le travail. Si nous n'avons pas l'école, Seigneur Dieu, aucun mal et accident pas arrivé. Ou bien nos chances, maintenant nous venons dans Saint-Temps pour nous honorer pour nous bonne gloire, même seul mérité. Mais nous pas venir avec les mains vides. Nous venons avec offrande que nous. Nous demandons au Seigneur Dieu va bénir offrande pour nous. Et si là, vous qui papotez, vous va permettre semaine ça, une bénédiction va tomber pour vous, afin que vous ayez de quoi apporter dans la maison. Nous disons merci pour ce que vous faites et pour ce que vous continuez à faire pour nous. Nous t'en prions ainsi. Amen. Pour faciliter les pas de Jack, nous allons auditionner un chant spécial avec les chorales, avec la chorale des femmes de l'Église. Amen. Thank you.
sans limite. Ou c'est bon Dieu, merveille, pas jamais bien l'autre en cours. Ou sans pareil, ou grand, pouvoir ou sans limite. Ou c'est bon Dieu, merveille, pas jamais bien l'autre en cours. Tout sans pareil, ou grand, pouvoir ou sans limite, ou c'est bon Dieu, merveille, pas jamais qu'elle a ta boue. Tout sans pareil, amen. Ou grand. Pouvoir sans limite. C'est pour raison ça nous bral louer bon Dieu. Et m'a ploué bon Dieu avec un contentement dans le matin, oui. Amen. Après m'a fini passé 3 jours l'hôpital avec petite fille matin il est là pour nous capable bailler bon Dieu gloire. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Et n'a loué bon Dieu, nous dit bon Dieu merci. Nous avons Sœur Gabriel, Gabotan. Amen. Maman nous, qui est avec nous la matin. Comme vous n'avez pas cité nom, vous n'avez pas cité nom, prends surprise. Matin, nous venons louer bon Dieu. Sœur Nelta, cité-le quand même. Avec toute petite fille qui la matin, c'est Jessie. Et puis, en pile l'autre monde qui la matin, nous camper pour nous battre, mon Dieu, gloire, parce que nous venons dans la maison pour nous capables d'adorer, pour nous battre gloire, parce que c'est lui-même seul qui mérite louange, accompliment pour tout le temps et pour tout le temps. Nous comptons, ouais, nous tous, matin, parce que nous venons battre, mon Dieu, gloire. Nous venons dans la maison. Nous venons dans ta maison. Et nous nous prosternons pour t'adorer. Moi le même en l'air pour ma
De tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. Je veux t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je veux t'adorer. Adorons le Seigneur.
volontaire de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux to be praised.
Father, you and only you. This morning, this is your day, your Sabbath, the one and only you set apart for us to glorify your name. We are asking you to please bestow your mercy upon each one of us, and may your Holy Spirit enlighten our mind this morning so we can listen to your word. Bless each one of us, Father. Be with us as we start, as we continue our days with you. We pray in the name of Jesus. Amen. God is good. Good morning, Peniel. Jeudi an, nous pral non seulement contempler bon Dieu dans parole li, mais encore nous pral remer li beaucoup plus davantage parce que li mérite gloire, honneur et louange. N'a ouvert Bible nous nan Genèse chapitre 2 à partir du verset 18 à 23. Tout moun ap lil, nou gen Bible an nou lil. Genèse chapitre 2 verset 18 à 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Parole du Seigneur. Father, use my mouth made of clay. Please use it for your glory. Amen. Le que nous gardons, Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, nous capables ouais que Adam, faut qu'on même ouais bête yo. L'ipot qu'on même ouais yo accouplé. L'ipot qu'on même ouais enyé. L'ipot qu'on même ba yo non. Bon Dieu, t'es déjà connu, ça que t'as pas le passé Adam. C'est ça que fait le verset 18, l'idiot. L'Éternel Dieu dit, c'est pas Adam, non, que t'es dit l'Éternel. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et puis après, nous capables de voir tout ça qui vient dérouler. Titre, matin, c'est Woman, my alter ego. Genesis chapter 2, verse 23, and Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man." Adam, from feeling sad and lonely, becomes joyful, happy, feels very happy and complete. I imagine God the Father enjoying seeing the body expression of Adam and said, now it is very good. Chaque fois que nous tristes, bon Dieu pas content. Chaque fois que nous content, bon Dieu prend plaisir dans nous-mêmes qui joyeux ou joyeuses et content. God is satisfied with his creation because Adam is happy. Now the creation is complete. God thought of what Adam needs even before Adam saw the animals' reaction toward each other.
God wants Adam to face the reality of needing another self. So, bon Dieu voulait que Adam sentit que le besoin. C'est ça que fait nous-mêmes, là nous avons besoin, nous supposons aller côté bon Dieu parce qu'il déjà connaît que nous avons besoin. Et le bon Dieu connaît nous avons besoin, nous prions, c'est ça que fait le Saint-Esprit faut nous connaître qui ça pour nous dire dans prière nous. Parce que le Saint-Esprit la travaille de concert avec papa pour faire nous connaître qui ça pour nous dire dans prière et puis comme ça bon Dieu même lui exaucer prière nous. Mais si que nous parlons côté bon Dieu qui déjà connaît ça que nous besoin, il pas capable ban nous. C'est ça que fait Jésus dit cherchez et vous trouverez, frappez et j'ouvrirai. Si vous cherchez de tout votre cœur. Mes amis, il est très important pour nous connaître que nous vivons dans l'époque pour nous prier beaucoup plus. Parce que il y a une pile femme qui a une pile problème. Nous même ni dans une société, nous pas gagne aussi de problème que yo même. Femme ça yo, yo té ça seulement que yo connaît, c'est cuisiner, faire petite. Yo pas même gen chance pour yo à l'école. Mes amis, faut que nous prions en pile pour yo. And the Lord said, it is not good for man to be alone. I will make him a help meet to him. A helper similar to him, one who may not only reciprocate his feelings, but take an intelligent and appropriate part in his active pursuit. His counterpart suitable to his nature and his need. One like himself in shape, constitution, disposition, and affection, a second self. Eve, son deuxième Adam, dans tout aspect, excepté genitourinary system. One to be at hand or near him to converse, familiar with him. To be always ready to succor. Ça veut dire que Bral descend pour montrer nous ça qui est les femmes. Secourir, c'est un aspect que bon Dieu dote les femmes. To be always ready to succor, serve and comfort him, in whose care in all the affairs of life. Not only for the propagation of his species, but to provide things useful and comfortable for him. It should be to please and help him. One like himself in nature, temper, disposition, in form and shape that would be pleasing to his sight, and with whom he might delightfully converse and be in all respect agreeable to him and entirely answerable to his case and circumstances, his wants and wishes. The word help in the Hebrew is ezer, the same as is found in Ebenezer, 1 Samuel chapter 7, verse 12, thus far the Lord has helped us. Ezer in Hebrew signifie aide, secours. Ça veut dire que chaque fille qui a son ezer. Nous sommes aide pour un garçon, nous capables de secourir garçon, hein? Nous capables d'assister garçon, hein? Nous sommes ressources pour garçon, hein? Nous sommes appui, nous sommes aide, nous sommes auxiliaires. Semblable à lui. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Femmes et hommes, ils ont une caractéristique qui est commune, qui est essentielle, qui a le même aspect de nature qui n'a pas changé. Ils ont égal, c'est ça qu'on appelle alter ego, mon autre moi-même, avec qui l'homme peut converser. Échanger des idées, avec qui il peut former des projets. Il peut planifier pour leur bien-être, avec qui il peut passer du temps. Qui fonctionne nous, filles? Femmes qui sont sales, qui fonctionne nous? Est-ce que nous connaissons comme pour qui raison nous t'es faites? Nous t'es faites pour nous aider. Nous t'es faites pour nous partager. Nous t'es faites pour nous aimer. C'est ça qui fait naturellement nous aimer. C'est pour ça que bon Dieu t'a créé nous. Puisque la femme est son aide, alors l'homme n'a pas honte de s'ouvrir le cœur pour la confier ses plus intimes désirs. Ou est-ce qu'un garçon vient de côté ou lui parler avec vous? C'est parce qu'il faut confiance. Il vient parler avant, c'est pas pour aller mettre paroles dans la rue avec fille pareille ou
pour aller faire causer qui parle là. Nous supposer non seulement nous sont aide pour lui, mais encore nous c'est trésor Marie nous. Nous c'est trésor petite nous petite garçon nous. Pas mettre parole lui dans la rue. Là que le font bagaille qui pas bon, causer avec lui parce que garçon qu'on entendait. Le récit de la création atteint son apogée avec la création de la femme, répondant aux besoins de l'homme d'une partenaire. Le mot hébreu, c'est Izer Kenegedo, une force qui lui correspond. La femme, son force liée pour un garçon. Garçon admet, femme, son force liée pour le bon côté. C'est bras droit tout lié. Sans une femme, pas de foyer. Ou bal yon kay, li fèl tout nou foyer. Li très important pour nous apprendre ça. Le mot hébreu, Izer Kenegedo, une force qui lui correspond. Kenegedo, K-E, vle di comme. Nijed, N-E-G-E-D, vle di en face de. O, vle di lui. C'est une force qui lui correspond, une force comme en face de lui. Ça vle di que Adam t'a dormi. Le bon Dieu anesthésie Adam. Adam a dormi. Bon Dieu prend main Adam, prend main Ève, li passe devant Adam. Ba konnen pour qui raison fait Adam immédiatement ouvert yeux. Est-ce que c'est effet anesthésien qui passait ou bien est-ce que c'est sainte Ève li prend parce que médicalement nous relé li phéromone. Est-ce que c'est ça? Il immédiatement ouvre les yeux pour dire, chair de ma chair, os de mes os. Adam, de yon moun qui était triste, vint tout non pour être immédiatement. Ce qui revient à dire, gon bagay nan fi qui attire garçon. Gon bagay nan fi qui fait garçon ou senti le garçon. Gon bagay nan fi qui fait garçon ou senti li en forme. Ça veut dire que bon Dieu créé pour compléter l'homme. Bon Dieu pas créé pour égoïste. Bon Dieu pas créé pour penser à tête ou bon Dieu créé pour capable compléter l'homme. Parce que la femme c'est lui-même qui fait que garçon en lui complet, il sentit le garçon tout bon. Bon Dieu créé femme pour capable une compagne, nous amis qui le complète dans l'exercice de domination sur la terre. Certains disent qu'avec la chute, l'homme domine sur la femme. Mais l'Ancien Testament démontre que les femmes exercent une autorité sur les hommes, y compris comme étant épouses et mères. La Bible fait mention de femmes exerçant une autorité avec la bénédiction de Dieu. Femmes qui t'ont guidé par le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit, pour bon Dieu capable d'utiliser ou pour remplir fonction que bon Dieu t'a relo pour remplir. Dieu a envoyé la prophétesse Myriam devant Israël. Déborah est l'une des juges. Elle avait la légitime de commander Barak, chef militaire. Ils ont travaillé ensemble sans problème, ayant une même autorité. Lui en étant chef militaire, elle comme chef suprême. La reine Esther a eu suffisamment d'influence pour renverser la maison d'Aman. Sans oublier Hulda. Dieu a même utilisé des femmes pour tenir le plus important des rôles prophétiques, notons les cantiques de Myriam, de Déborah et la prière d'Anne. Sans oublier dans le Nouveau Testament, le cantique d'Élisabeth et le Magnificat de Marie, et Jésus de dire que Marie, la sœur de Marthe, a choisi la bonne part. Dans une culte qui bannit la provision et l'éducation religieuse des femmes, Jésus les a encouragés à être des disciples. Marie s'assit aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Sans oublier Marie-Madeleine, la pécheresse, est devenue la messagère de Jésus. Et Marie, mère de Dieu. Dieu, dans sa sagesse, a su dès le commencement que l'homme sera incomplet sans la femme. C'est pour cette raison qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Imaginez-nous. Bon Dieu fait Adam. Tout le monde qui la connaît que garçon, il a gagné chromosome XY. Comment que fait bon Dieu prendre une côte
qui c'est chromosome XY, il forme un XX. Ça, la science pas qu'à connaître pour qui raison. Seul bon Dieu connaît comment le faire. Et me dit, béni soit l'Éternel, que c'est seul bon Dieu sans ça, nous avons un pile faux fi. Mais merci bon Dieu, c'est seul lui-même qui est capable de faire un bagage comme ça. Lorsque Dieu a créé la femme pour l'homme, il a doté à la femme des caractéristiques essentielles. La femme a un cerveau qui est en forme de comportement, qui a un bon comportement. Ouais, fille, c'est ça qui fait fille, mais pas aller. Parce que nous avons plusieurs choses à faire en même temps. Elle me dit, bon Dieu, merci, nous aimons parler. Si nous ne parlons pas, nous allons mourir déjà. La femme a un cerveau qui renferme des comportements et beaucoup de matière grise. Elle peut faire plusieurs choses à la fois. Être une mère, épouse, amie, enseignante, cuisinière, couturière, infirmière, jardinière et en même temps professionnelle travaillant à l'extérieur de la maison. Merci, mon Dieu, parce que nous femmes. Il y a des cultures où la femme s'occupe seulement de la maison et n'a pas l'opportunité d'être une professionnelle. Nous-mêmes, que bon Dieu, bon nous, opportunité pour nous professionnels, à l'école, apprendre une profession. Dans le cas où Marie, hein, les gons trop ou bien pas capable, nous-mêmes, nous capables de lever, nous capables de continuer foyer. Hein. C'est ça que fait dans le proverbe, dans l'Ecclésiaste, il dit, il y a un code qui gagne trois. Qui ça le fait? Il est beaucoup plus fort. Et il dit, de tête, c'est de l'esprit. Et Marie, hein, ta kagne doit prendre une décision, et femme nan la, li dit, an, si m'se ou m'da fèl kon sa. Fok nou apren koute fiyan, lèl pale tout. Ba fiyan plas li, fiyan, bon Dieu fèl pou sa, fiyan très créative. Et fiyan, faut apren tende Marie ou tout, parce que nou yon pa complet sans l'autre. Il faut prier pour ces femmes, moun ki pa kap même apprendre nos professions, parce que c'est seulement bon Dieu qui capable changer cœur dirigeant ça yo pour filan yo capable émanciper, yo capable sentir yo bien en pour yo. Dans notre société, la femme a l'opportunité d'être professionnelle. Cela ne diminue pas ton devoir, au contraire, cela renforce la fonction d'aide et le secours pour l'homme. C'est pas parce qu'on a une profession qu'on a plus pas son garçon. Non. Ou pas jamais qu'a plus pas son garçon ou besoin elle ou a besoin un garçon pour vivre. Femme, qui es-tu vraiment? Tu as une beauté parfaite, façonnée par Dieu pour compléter l'homme dans tous les aspects: physique, économique, moral, émotionnel, social et spirituel. Mes amis, li mal pour yon moun ou pour un garçon qui pas même ka edo rendi spirituellement. Et li pas bon tout sou pour une femme qui pas edo rendi spirituellement. Ça veut dire que ou pas vraiment capable atteindre but et raison pour lesquelles bon Dieu t'a créé femme et garçon. Il pas créé femme et garçon seulement pour multiplier croiser, non. Parce que bon Dieu voulait pour te gon relation ensemble avec nous. Et si nous foyer pas gon relation, pas gè foyer. Dieu a créé la femme pour harmoniser l'environnement, pour être la rose parfumée lorsque l'ambiance est trop stressante. Nous supposons un parfum de bonne odeur. Pas un parfum qui pas de bonne qualité. Parce que c'est parfum ça qui pral fait ambiance dans vin différent. C'est ça qui pral fait garçon sentir bien le sorti dans la rue. Femme, soyez sage et bâtis la maison et ne la détruis pas en devenant une gouttière de ta propre maison. Reste dans le dessein de Dieu pour compléter l'homme dans tous les points de vue. Les choses du siècle présent ne peuvent pas remplacer l'homme dans ta vie. Gen en pile fille au lieu que yo gon mari, y a l'acheter toi. Faut que nous fassions en pile attention, en pile chrétien fait. Faut que nous fassions en pile attention, parce que c'est pas ça que bon Dieu voulait pour nous.
tu auras toujours besoin de l'homme, tout comme l'homme aura toujours besoin d'une femme. Il faut choisir avec l'aide de Dieu l'homme qui est compatible à ta personnalité. Mère, enseigne à ta fille comment choisir un homme de bien pour leur bien-être. Aide ta fille à être une femme vertueuse. Mes amis, c'est fonction maman. C'est pas seulement le travail, travail, travail. Nous quitter petite fille, nous c'est télévision qui a enseigné. Ça fait mal pour nous gon petite fille ou pas qu'on a rien de petite fille. Hein. Ou pas qu'on est s'il des amis, s'il pas des amis, qui l'école li, qui attitude li, qui salve. Nous supposons faire partie de foyer. Hein. Nous supposons faire partie de timoun là. Nan travail c'est vrai, mais pour un coup de fil pour nous connaître petite là. Est-ce que la kaili? Faut que nous apprenons à chronométrer tout bagay nan foyer. Hein. Li très important. Femme chrétienne, soit la femme de Proverbe 31. Une femme vertueuse, trustworthy. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle n'a pas peur du travail. Elle a fait du bien aux autres. Elle s'occupe de la maison. Elle est prudente. Elle se prépare pour l'hiver et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sortent sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Son mari est considéré aux portes. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Femme chrétienne de Péniel et les femmes qui m'écoutent aujourd'hui, soyez sages, ne détruis pas votre maison. Bélila. Femme, fais de l'Éternel ton guide et ta lumière en toutes circonstances afin de demeurer dans le dessein de Dieu. Femme de Péniel, en tout temps, sois Iser Kenegedo. Soyez la force, le bras droit de ton mari pour que le dessein de Dieu s'accomplisse en vous en tout temps. Afin que Dieu soit toujours content de vous. Femme vertueuse de tout port, Dieu vous aime. Il faut mettre en application la raison pour laquelle vous êtes née. Que Dieu vous bénisse. Que son Saint-Esprit soit toujours avec chacun de vous. Que son sang efficace coule sur chacun de vous dès maintenant et à jamais. Amen.
partir de 4 heures. Nous espérons vous revoir, ça pour garçon ni pour fille, cet après-midi à partir de 4 heures. Si nous ne pouvons pas aller là, nous voulons rester là. Le ministère de la Femme fait provision pour nous mettre là. Nous espérons que nous retournons cet après-midi à partir de 4 heures. Amen. Nanon, ministre de la Femme, nous remercions nous tous qui sont là dans le temple matin. Nous avons demandé à la chorale Femme de reprendre place. Cela merci, nous sommes mis sur toi. Amen. Frère Emile, nous comptons wow. Nous comptons wow. Et nous espérons wow encore. Sabbat prochain, sabbat après sabbat. Amen. Sœur Cérès, ou allez, nous missionnons. Les machines, tout ce clé qui est garé, quel que soit le monde qui t'a joigné, fait frère baisse, joigné. Pas d'angle à tabou, sans pas.
est pour t'accompagner. Sans pareil, ou grand, ou roi, ou sans limite. Ou c'est bon Dieu, merveilleux, pas jamais l'autre bout. Ou sans pareil, ou grand, ou roi, ou sans limite. Ou c'est bon Dieu, merveilleux, pas jamais l'autre bout.